Bon, ouais, c'est parti. Donc, bonjour, Marianne. Oui, bonjour à Ouais. tous. Donc, je suis prête à introduire la thèse. Donc, voilà, Marianne Huchard, donc je suis professeure à l'Université de Montpellier. Et donc, j'ai l'honneur et le plaisir de présider ce jury de soutenance de thèse de doctorat. Donc, la soutenance va être présentée par Cyril Ahmed Midingoyi, à qui je vais laisser la parole pendant 45 minutes. Il va nous parler, voilà, de son sujet, du sujet de thèse et des idées de recherche qu'il va défendre devant nous. Et je présenterai ensuite les membres du jury au moment de la séance de questions qui suivra directement la soutenance. Voilà, donc Cyril, je vous en prie, la parole est à vous pour 45 minutes. Merci, Madame la Présidente du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers invités, auditeurs. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter les résultats de mes travaux de thèse intitulés Représentation sémantique et modulaire des modèles de culture à l'aide d'un métalangage déclaratif. C'est une thèse cofinancée par Digitag et sous la supervision de Pierre Matra à l'INRAE, Frédéric Garcia à l'INRAE également et Christophe Pradal au CIRAD. Les plantes sont considérées comme des systèmes complexes qui sont traversés à des niveaux d'organisation multiples et interactifs, qui sont abordés par différentes disciplines scientifiques avec des objectifs différents. Par exemple, du niveau moléculaire, on peut s'intéresser à la régulation de gènes. Au niveau organe, on peut s'intéresser au croissement de l'organe. Par contre, au niveau de la plante et de la canopée, il existe des modèles à base de processus qui sont utilisés pour pouvoir décrire des processus biophysiques qui sont impliqués dans la croissance et le développement des plantes en interaction avec leur milieu. Ces modèles sont développés et étendus pour répondre à un large éventail d'applications. Et récemment, plusieurs études, plusieurs travaux de recherche abordent la question également du pouvoir utiliser les modèles afin de simuler différents types de génotypes et dans des scénarios environnementaux divers, et aussi en prenant en compte des profils phénotypiques issus des différentes plateformes de phénotypage. Ces modèles de culture, c'est-à-dire les modèles basés sur des processus, sont souvent développés par différentes plateformes de modélisation. Ces plateformes qui leur donnent la capacité de pouvoir développer, d'étendre les modèles, et de pouvoir mettre à disposition des modélisateurs, des composants, des librairies pour faciliter le développement des modèles. La diversité de ces plateformes de modélisation a entraîné la diversité des modèles, un accroissement des modèles de simulation. Par exemple, au niveau du projet AgBIMP, entendez projet d'intercomparaison et d'amélioration des modèles de culture, il existe plus de 40 modèles de blé. Et des études sur la comparaison de ces modèles, par exemple, sur les rendements grains, ont montré une forte diversité entre les sorties de ces différents modèles. Ce qui appelle quand même à pouvoir analyser ces modèles au niveau processus. D'autre part, il a été remarqué que les réponses aux températures des divers processus biophysiques clés de ces modèles ont montré aussi une forte diversité. Ce qui montre alors l'intérêt de pouvoir analyser ces modèles au niveau processus, de pouvoir échanger les composants des modèles entre les différentes plateformes de modélisation afin de pouvoir faciliter l'intégration des modèles et d'intégrer de nouvelles connaissances liées à la plante. Il faut remarquer que la plupart des plateformes de modélisation qui ont mis en place quand même une forte communauté depuis plus de 30 ans et qui facilitent également le développement et la réutilisation des composants de modèles et qui sont basés également sur une approche composant. Cette approche composant donne la facilité de pouvoir décomposer le système en des processus biophysiques clés comme la phénologie, le bilan hydrique. Par contre, ces plateformes quand même imposent une structure rigide fixe au développement, au modèle et aux composants des modèles et nécessitent aussi d'avoir des compétences fortes en programmation afin de pouvoir opérer sur des changements de ces modèles. Et aussi, ces plateformes sont limitées en termes de modularité parce que parfois, ils imposent une forme de définition d'interface afin de pouvoir mettre en œuvre la modularité.
Face à cette hétérogénéité de ces différentes plateformes de modélisation, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut réutiliser les composants des modèles entre différentes plateformes de simulation. L'intérêt de la réutilisation des composants des modèles ont amené différents groupes de modélisation à pouvoir créer l'initiative AMEI, cette initiative d'échange de modèles en agriculture. Cette initiative a pour vision de pouvoir avancer la science de l'agronomie en utilisant les modèles. Alors, j'ai travaillé au sein de cette plateforme qui constitue en fait le cadre qui m'a permis de servir de cadre de travail tout au long de ma thèse. Ces différentes plateformes ont quand même émis déjà certaines idées de réflexion sur le partage et la réutilisation des composants de modèles depuis 2015. Donc, à partir de 2018, au démarrage de ma thèse, j'ai commencé par travailler, collaborer avec ces différentes plateformes. Au début, c'était la question, est-ce qu'on ne peut pas utiliser une seule plateforme alors pour pouvoir modéliser? Et cette réflexion n'a pas abouti parce que chaque plateforme veut garder son autonomie. Alors, l'objectif est alors de pouvoir arriver à un consensus pour pouvoir faciliter l'échange et la réutilisation. D'où l'approche que j'ai proposée à ces différentes plateformes en mettant en pouvoir en utilisant les spécificités de ces différentes plateformes. L'objectif alors de ma thèse est de pouvoir fournir une approche efficiente pour faciliter l'échange et la réutilisation des composants de modèles en différentes plateformes de modélisation. Cet objectif nous permettra alors d'avoir une forme de réutilisation transparente, pouvoir avoir une forme de modularité libre, et aussi avoir une plateforme qui permettra de pouvoir générer les composants de modèles qui soient spécifiques et prenant en compte les spécificités des plateformes et qui pourraient suivre alors les principes FAIR, c'est-à-dire la capacité de pouvoir retrouver, d'accéder aux composants des modèles et de faciliter l'interopérabilité et la réutilisation des composants des modèles. Alors, pour pouvoir étudier un peu le problème, je me suis intéressé quand même aux caractéristiques des modèles basés sur des processus, des composants des modèles. Et il a été remarqué que la plupart sont des composants qui sont dynamiques, c'est-à-dire dépendants du temps et à temps discret. Également, qui sont basés sur des équations aux différences finies, un formalisme sur des équations aux différences finies avec des structures de contrôle. Et également, il faut remarquer que la plupart de ces modèles sont souvent décomposés en des processus biophysiques, également basé sur différentes approches de modélisation, c'est-à-dire différentes hypothèses de modélisation et avec des parts de temps différents. Je me suis également intéressé aux différentes initiatives qui ont abordé la question de modularité, la question de réutilisation de modèles. Et parmi ces différentes approches, on a, par exemple, l'implémentation des interfaces génériques, ce qui reste quand même aussi spécifique à la plateforme qui met en place cette interface. Également, les projets de standardisation des formats de données qui permettent d'interconnecter les données, de formaliser les entrées et les sorties pour pouvoir interconnecter les modèles et qui ne résout pas la question aussi de pouvoir réutiliser les composants des modèles. Également, il y a d'autres sujets, d'autres travaux aussi qui ont abordé quand même la définition de certains protocoles pour pouvoir faciliter la conception des composants qui sont réutilisables et qui s'appuient beaucoup plus sur la conception des modèles. D'autres initiatives également ont permis de remarquer quand même qu'il existe aussi une forme de modélisation déclarative, c'est-à-dire la modélisation visuelle, qui offre quand même un environnement riche qui permet d'interconnecter les modèles et de pouvoir générer après le code source du modèle. Il existe également des approches intégratives multi-échelles qui permettent de pouvoir rassembler les modèles à différentes échelles, mais en se basant quand même sur des interfaces pour pouvoir connecter les modèles développés dans divers langages. Et l'approche la plus intéressante également, c'est dans le domaine de biologie des systèmes qui permettent de pouvoir mettre en place quand même certains concepts spécifiques au domaine pour pouvoir mieux représenter les modèles et de pouvoir les analyser au sein d'une communauté de modélisateurs. Alors, concrètement, qu'est-ce que je veux résoudre? À quoi sert mon travail? Supposons qu'on a un composant de modèle, ici le cas de bilan énergétique, qui est un composant de Cirrus Quality, un modèle de blé qui est développé dans la plateforme Bioma, une des plateformes de l'initiative. Et que ce composant, les autres plateformes comme Alias Simple et Stessat voudraient intégrer ces composants dans leur système. Voilà un peu l'objectif.
comment est-ce qu'on peut faire cette réutilisation? Plus spécifiquement, ce composant va être intégré dans des SAP et il est remarqué quand même qu'il y a certaines sorties de ce composant bilan énergétique qui correspondent quand même aussi à certaines sorties de modèles de DSAT. Et pour pouvoir réutiliser les différentes hypothèses, les différentes connaissances qui sont mises en œuvre dans le composant Energy Balance. L'approche que je propose et qui constitue au fait le sommaire de ma présentation, c'est de pouvoir dégager un ensemble de concepts qui permettra de pouvoir représenter les modèles indépendamment de toutes les plateformes de modélisation. Ensuite, faciliter la transformation de ce composant de modèle pour pouvoir les transformer dans les différentes plateformes de modélisation. Lorsque ce composant transformé dans les différentes plateformes de modélisation a été peut-être mis à jour, renouvelé par les autres plateformes, elle pourrait être réintégrée dans les autres plateformes. Donc, on pourrait alors voir une situation, une transformation inverse pour pouvoir récupérer les différents concepts qui ont été préalablement définis indépendamment des plateformes. Et enfin, je présenterai également une interface qui a été mise en œuvre et pour pouvoir prouver également les concepts qui sont développés. Et enfin, je conclurai avec quelques perspectives. Alors, la première étape, c'est de pouvoir définir, de séparer les méta-informations des composants de modèle avec les algorithmes des composants. Ensuite, fournir une forme de représentation modulaire qui soit commune à l'ensemble des plateformes de modélisation. L'approche que je propose, je définis ces concepts partagés qui vont émerger au fait des composants dans les différentes plateformes de modélisation. Et le problème que cela résoudra, c'est de pouvoir définir le niveau optimal d'abstraction des composants indépendamment des plateformes. Alors, ces concepts qui sont définis ont permis de pouvoir définir un langage de modélisation que l'on a appelé CROP2ML. CROP2ML sépare alors la description des méta-informations de l'algorithme. Dans CROP2ML, pour tenir compte de la modularité, on a séparé alors le modèle en modèle unitaire à des grains très fins et la composition de ces modèles. Un modèle unitaire représente alors, est composé de la description aussi qui fait état de la provenance, du pas de temps du modèle, d'une liste d'entrées qui aussi a des attributs tels que la catégorie des variables, si les variables sont des flux, si c'est des variables qui représentent des états ou des paramètres, des sorties des modèles, ainsi qu'une liste de paramètres et de tests définis. Le modèle unitaire également permet aussi de lier l'algorithme et aussi des fonctions qui peuvent établir pour pouvoir faciliter la description de l'algorithme. Ce sont des liens qui sont définis au niveau du modèle unitaire, des liens de l'algorithme vers l'algorithme. Enfin, il y a le modèle composite qui, au fait, est une composition des modèles unitaires représentée sous forme de graphes dont les sorties des modèles unitaires peuvent être connectées aux entrées d'autres modèles unitaires. Il existe trois types de liens. Comme vous le verrez à gauche, nous avons un lien qu'on appelle input link qui relie l'entrée du modèle composite à certaines entrées des modèles des sous-modèles et aussi un lien qu'on appelle output link qui relie les sorties du modèle composite à certaines sorties des modèles, des sous-modèles. Et enfin, on a les liens internes qui relient au fait des entrées, des sorties de certains modèles, des sous-modèles avec des entrées de certains sous-modèles. Alors, la première proposition, c'est de définir un métalangage pour représenter alors les méta-informations, de représenter ce qu'on a appelé le modèle conceptuel. Et cette approche a tenu compte au fait de la modularité depuis le niveau conceptuel, parce que dans le processus de modélisation, nous avons la définition du problème, l'étape de conceptualisation, l'étape d'implémentation. Et déjà, nous abordons la question ici déjà au niveau conceptuel et qui va nous faciliter au fait une forme de flexibilité et de réutilisation des composants dans diverses plateformes, aussi d'accroître la portabilité des méta-informations et de pouvoir aussi fournir une première base de connaissances pour pouvoir discuter des modèles. Cette approche aussi tient compte aussi de la granularité parce que le fait de pouvoir définir des tests unitaires
force le modélisateur à pouvoir fournir de tout petits grains de modèles unitaires pour pouvoir faciliter en fait, la validation de ces modèles unitaires à partir de ces jeux de paramètres que nous avons définis. Et également, l'ensemble de ces concepts ayant défini un langage de modélisation qui constitue la grammaire de notre langage de modélisation permettrait aussi de vérifier si toutes les méta-informations définies en fait, sont conformes aux différents concepts qui sont définis. Par contre, cette première étape n'a pas pris en compte la vue de composition sémantique que nous avons essayé pour le moment de ne pas aborder, parce que cette vue doit tenir compte aussi du contexte dans lequel le modèle a été défini, le composant a été défini, afin que son intégration dans d'autres plateformes puisse respecter au fait les hypothèses sous-jacentes dans cette plateforme cible. La seconde étape, c'est de pouvoir transformer le modèle vers le composant vers les plateformes de modélisation. Le but ici, c'est de pouvoir fournir plusieurs composants à partir de Crop2ML pour différentes plateformes. Et l'approche que nous avons mis en place alors, c'est de pouvoir écrire une seule fois les algorithmes des composants des modèles, ainsi, et de pouvoir aussi mettre en place un système automatique qui va pouvoir générer l'ensemble des composants vers les différentes plateformes. Et le problème que cela résout, c'est que nous allons prendre en compte les spécificités des différents plateforme pour pouvoir avoir des composants qui sont spécifiques à cet ensemble de plateformes. Alors, pourquoi définissons-nous un nouveau langage? Un nouveau langage pour écrire les algorithmes. Les algorithmes, ce sont les relations entre les entrées-sorties des composants. Nous avons remarqué, j'ai remarqué, l'ensemble de l'initiative d'abord à un premier moment, c'était non, on ne voudra pas utiliser un nouveau langage. Mais quand même après des études, j'ai constaté quand même que il y a certaines constructions quand même qui se ressemblent dans l'ensemble des plateformes. Alors, j'ai décidé de pouvoir définir un langage qui prend en compte l'ensemble de ces constructions. Donc, ces langages, c'est au fait l'intersection de l'ensemble des constructions des langages existants, des plateformes existantes. Alors, pour ne pas définir un tout nouveau langage, j'ai essayé de pouvoir réutiliser un langage existant, Python, qui est un langage de script, mais qui prend en compte au fait Python avec du typage. Donc, j'ai défini alors un sous-langage de Python. Et ce sous-langage contient les constructions qui sont communes à l'ensemble des plateformes. Alors, j'ai défini alors une forme de compatibilité avec l'ensemble des langages existants. Définir également ces différentes constructions qui sont les if, les else if, pour faire le choix des composants, le choix de certaines des variables. Et aussi, ce langage prend en compte également le formalisme aux équations aux différences qui constituaient le périmètre de notre étude. Et ce langage permet également de définir des fonctions standards comme interpolation, les fonctions de Fibonacci pour faciliter la description des algorithmes. Et tient compte également des types de bases comme des types complexes comme des listes, des tableaux, des temps. Et également, ce langage est modulaire. Alors, après que le modélisateur ait défini le modèle conceptuel et défini également ses algorithmes dans le nouveau langage CML, le défi est de pouvoir alors rendre disponible ce composant pour différentes plateformes, facilitant ainsi la réutilisation dans ces plateformes. Pour cela, j'ai défini un transpiler, un transpilateur ou un transcompilateur qui permet alors de prendre en entrée les algorithmes ainsi que les méta-informations pour pouvoir reproduire les composants spécifiques aux plateformes. Je me suis appuyé sur deux concepts clés pour pouvoir mieux manipuler les algorithmes. Le premier concept, c'est la définition de l'arbre syntaxique abstrait, qui est une forme de structure de données permettant de représenter la structure syntaxique du code. Ainsi, ce que j'ai essayé de rétablir à partir de l'arbre syntaxique, c'est de définir un graphe sémantique abstrait
qui est une représentation mathématique du code source et qui provient de la transformation de l'arbre syntaxique abstrait avec des informations sémantiques ajoutées à l'AST. Cette figure illustre ainsi le processus de transformation. AST, c'est l'arbre syntaxique et ASG, c'est l'arbre sémantique. Nous avons une transformation du code source vers l'arbre syntaxique abstrait à partir d'une fonction qu'on appelle parseur. Alors, cet arbre syntaxique abstrait utilise toute la grammaire de Python. Au niveau de la transformation de l'AST, nous avons considéré que les constructions qui sont communes à l'ensemble des plateformes afin de pouvoir réduire la grammaire de Python. J'ai alors tenu compte également de la cohérence des types et de toute la vérification de l'arbre syntaxique pour pouvoir répondre au fait à cette restriction des langages, du langage. Ensuite, l'arbre sémantique abstrait est ensuite utilisé pour pouvoir générer les différents composants à partir du poids de générer le code source dans les différents langages. À partir d'un nombre de règles de transformation entre le langage CML avec les différents langages tels que Java, C Sharp, Python, Fortran, C++ et R. Ensuite, j'ai défini un adaptateur parce qu'il faut reconnaître que chaque plateforme a ses spécificités. Bien qu'il existe des plateformes qui utilisent le même langage, ils n'ont pas les mêmes types de structures et ils ne peuvent pas converser aussi facilement. Donc, j'ai adapté les codes générés dans les différents langages vers les différentes plateformes. Quelles sont ces spécificités? Comment elles sont intégrées? L'intégration, par exemple, elle est spécifique à chaque plateforme. Quand nous prenons la plateforme Simplace, qui se base sur une abstraction de composants qu'on appelle FWSimComponents, cette abstraction nous permet alors de voir définir les parties fixes et les parties variables de la plateforme qui sont intégrées dans le système de transformation. Il en est de même pour la plateforme Bioma, qui se repose également sur une définition des classes de domaine qui sont fonction des catégories de variables que nous avons définies, les états, les flux, ainsi de suite. Il en est de même également pour la plateforme DSAT, où nous avons défini les subroutines étant comme les modèles unitaires, et également les modules qui sont un ensemble de modèles unitaires qui représentent également les modèles composites dans notre plateforme. Également comme la plateforme Record, qui se base également sur le formalisme, une extension du formalisme Devs, et qui met en place un package VLE dont la structure est prise en compte pour pouvoir générer également les modèles, les composants des modèles dans Record. Également, nous avons pris en compte le workflow scientifique, la structure pour pouvoir générer également dans OpenAI. Alors, cette partie m'a permis également de définir au fait une forme de transformation automatique. Cette forme de transformation automatique, au fait, vient d'une forte discussion avec l'ensemble des plateformes de modélisation qui m'ont montré, au fait, les spécificités de leur plateforme. J'ai agrégé, au fait, ces spécificités dans le système de transformation que j'ai défini. Ce système de transformation nous permet alors de pouvoir casser la barrière des différentes plateformes de simulation afin de pouvoir mettre en œuvre des composants et dont on a besoin finalement de pouvoir connaître les spécificités des plateformes cibles. Enfin, cette approche nous permet également de faciliter la réutilisation et la reproductibilité des composants. Tout composant défini dans CorpTuML peut être intégré dans n'importe quelle plateforme, les plateformes bien sûr de l'initiative et de pouvoir être exécuté. Enfin, cette approche nous permet également de faire le lien entre le modèle conceptuel, c'est-à-dire les méta-informations qui sont conceptualisées et ainsi l'algorithme, parce que l'approche également transforme l'algorithme pour pouvoir connecter les différentes variables de l'algorithme avec les unités qui sont définies, avec les types qui sont définis dans les méta-informations afin de faire le lien entre l'algorithme et de corriger et de voir également s'il n'y a pas une différence entre l'algorithme et les méta-informations qui sont définies dans le modèle conceptuel. Par contre,
Je n'ai pas été en mesure de définir un formalisme clair de pouvoir représenter les spécificités des plateformes. Les spécificités sont tellement diverses qu'on pourrait se poser la question de définir, est-ce qu'il ne sera pas possible de définir un formalisme pour représenter? Par exemple, qu'il existe bien et bien des langages d'architecture, ADL, qui permet également de représenter l'architecture des plateformes. Est-ce que ce n'est pas possible? C'est une question qu'on se pose, qu'on pourrait aussi réfléchir. Enfin, la particularité ici, c'est qu'il est nécessaire de pouvoir connaître les différentes constructions qui sont mises en place le niveau, pour le nouveau langage, afin de pouvoir écrire l'algorithme des composants. C'est une contrainte. Alors, pour faire face à ces contraintes, c'est ainsi la troisième partie de ma thèse, je me suis dit, alors, comment est-ce que on peut garder la consistance entre les composants générés dans les plateformes avec le composant qui est indépendant de toute plateforme. Alors, la mise en place d'un système de transformation qui va permettre de générer le composant en cropped UML à partir des composants des plateformes. Le but est ainsi de pouvoir convertir des composants massivement dans n'importe quelle plateforme vers cropped UML. L'approche qui est proposée, c'est de fournir un système de transformation qu'on appelle many-to-one, qui permet de générer ces composants cropped UML. Le problème que nous allons essayer de résoudre alors, c'est de pouvoir tenir compte des spécificités des différentes plateformes pour fournir une unique représentation de composants indépendant de toutes les plateformes. Alors, la figure que vous avez à votre gauche, en haut, nous avons déjà établi un système de transformation qu'on appelait CMLT, qui va de cropped UML, le langage que j'ai défini, vers les plateformes. Alors, le système que je vais essayer de vous présenter, c'est une transformation inverse qui va partir des composants, d'un ensemble de composants, vers un composant unique cropped UML. Les choix qui sont opérés, c'est que ce système devrait être complet, c'est-à-dire toute construction définie dans l'ensemble dans un composant doit pouvoir être générée dans cropped UML. Ce système doit être extensible, c'est-à-dire elle pouvait être indépendant aussi des plateformes et pouvait être étendue à d'autres plateformes. L'approche que nous avons mise en place, c'est une approche de transformation qui part de n'importe quel composant des plateformes vers la même structure, la même représentation mathématique que nous avons appelée l'arbre sémantique abstrait unique et qui, à partir de cet arbre, permet de générer un code qui soit spécifique à CropUML. Enfin, nous allons pouvoir aussi mettre en place un système qui va permettre également de pouvoir à partir des composants, inférer les spécifications, les méta-informations pour pouvoir générer le modèle cropped UML. Deux concepts sont utilisés. Le premier concept, c'est la génération de parseurs. Une génération de parseurs, entendez, c'est un processus qui permet de générer un parseur à partir d'une grammaire spécifique. Un parseur, c'est un processus qui permet de générer l'arbre syntaxique abstrait. Le second concept qui est mis en œuvre également, c'est le concept de réécriture de graphe. Une règle de réécriture de graphe est considérée comme un triplet, dont les deux premiers éléments représentent des graphes, des patterns de graphe, et dont le troisième élément, c'est une transformation qui permet de spécifier comment est-ce qu'on peut substituer le second graphe au niveau à la première graphe lorsque la règle est établie, est appliquée. Alors, en tenant compte de ces concepts, nous avons alors montré comment est-ce qu'on peut représenter l'arbre sémantique abstrait à partir de l'ensemble des composants. J'ai alors défini une forme de représentation de cet arbre. La SG ici est définie comme un graphe direct
dont chaque nœud de l'arbre est labellisé à partir de l'ensemble des constructions communes provenant au fait de l'intersection des langages des différentes plateformes. Concrètement, je donne un exemple. Un simple exemple qui montre ici une affectation avec une déclaration avec une valeur. Ici, nous avons une affectation qui, en fait, montre une variable x qui est affectée à 5. Alors, nous avons un nœud de type assignment. Donc, à gauche, nous avons un nœud de type local. À droite, nous avons un nœud de type valeur, également avec un pseudotype. Donc, chaque nœud est labellisé avec une annotation type. Et tous les éléments de type constituent les constructions communes de ces différents langages. Lorsque cet arbre, nous avons une représentation unique de cet arbre, nous allons alors définir la règle de réécriture. La règle de réécriture, elle est préalablement définie. Nous avons déjà, pour chaque langage, défini une forme de transformation avec la construction du langage et la construction correspondante de l'arbre sémantique. Ainsi, lorsque l'arbre syntaxique est parcouru, il tombe sur chaque sous-arbre. Lorsque dans la règle de transformation, le premier graphe M est isomorphe au sous-graphe de la ST, la transformation s'opère. Par contre, pour différents langages, il y a certaines contraintes, des contraintes qui peuvent être de l'ordre de la portée, des variables et tout. Donc, il y a des contraintes qui doivent aussi être définies afin de vérifier si la transformation peut s'opérer. Et ces contraintes déterminent alors l'applicabilité de ces règles de transformation. Dans quel cas, alors, nous pouvons opérer la transformation des composants vers les plateformes? J'ai identifié deux cas. Le premier cas, c'est que cette transformation doit être bijective. Une transformation bijective, ça veut dire que toutes constructions qui sont définies dans le langage cible devraient avoir sa correspondance dans le langage CML. De même, les composants qui sont définis aussi dans les plateformes, on doit pouvoir identifier les patterns permettront d'extraire les spécifications de composants crop2ml. Donc, dans cette partie, nous avons montré alors la possibilité de pouvoir, à partir de composants d'une plateforme, de pouvoir abstraire ce composant à un niveau plus élevé, crop2ml. Cette abstraction nous permet alors de pouvoir se départir de toutes les spécificités des plateformes. Cette approche, et il faut vous rappeler, dans la deuxième partie de la thèse, j'avais défini une transformation one-to-many. Dans cette partie, j'ai défini une transformation many-to-one. Une transformation one-to-many, many-to-one, nous permet d'avoir un système interopérable. Donc, crop2ml, finalement, devient un métalangage pivot, dont on n'a plus besoin d'avoir une forme de connaissance afin de pouvoir s'opérer sur la réutilisation des composants. Par contre, il y a quelques éléments que nous n'avons pas pris en compte dans ma thèse, c'est-à-dire l'utilisation de certaines métriques pour pouvoir évaluer également mon système de transformation. Je n'ai pas également abordé certaines structures de données complexes qu'on peut retrouver aussi dans la construction des composants. Pas également abordé certains événements, sauf si ces événements sont considérés comme des entrées des composants. Et également, cette approche serait un peu difficile à pouvoir être utilisée dans le cas des composants qui ne sont pas fonctionnels. Enfin, je vous présente notre interface, l'interface que j'ai développée durant ma thèse et pour voir aussi qui pourrait aussi servir comme proof de concept. Cette interface, alors, nous permet de pouvoir mettre en œuvre tout le cycle de vie de la définition d'un composant crop2ml.
C'est-à-dire, comment créer un composant proprement, comment l'éditer, comment composer les modèles unitaires pour fournir un modèle composite, comment faire la transformation et les jeux de tests unitaires. J'ai défini un environnement, JupyterLab, qui prend en compte l'ensemble des noyaux des langages, Java, C#, Fortran, R, Python. Et dans cet environnement, tout modélisateur a la capacité de définir ce qu'on appelle un package de modèles. Un package de modèles, c'est un template de modèles permettant d'organiser l'ensemble des modèles unitaires, leurs algorithmes et de pouvoir faciliter au fait, l'échange des composants. Ça donne également la possibilité de visualiser l'interconnexion, la connexion entre les différents modèles unitaires, ce qui pourrait servir comme preuve de comme élément de discussion sur la structure du composant. Revenons sur l'étude de cas que j'avais présentée sur le bilan énergétique. Ce composant qui est constitué d'une douzaine de modèles unitaires interconnectés et dont l'objectif est de pouvoir être réutilisé dans la plateforme d'ESAT, par exemple. Vous allez remarquer ce composant développé dans Bioma. Les simples modèles unitaires, ça peut faire plus de 500 lignes de code. Pourquoi 500 lignes de code? Parce que c'est une implémentation qui met en œuvre, en fait, la forme de réflexion du composant, les post-conditions, préconditions. C'est un nombre d'éléments quand même qui permet de pouvoir implémenter le composant de la Bioma. Ça montre, lorsque nous avons défini, nous avons représenté ce composant, parce que j'ai représenté ce composant dans CropQML et défini également l'algorithme du composant. On peut remarquer quand même la différence significative où ce composant pourrait être simplement représenté à 43 lignes pour définir les méta-informations et 9 lignes, juste le premier composant unitaire que je décris, et 9 lignes de code juste pour représenter l'équation, les différentes formes, expressions mathématiques qui relient les entrées et les sorties pour mieux comprendre le composant. Mais il faut noter que cet algorithme a été tiré également de ce nombre de lignes de code. Et on peut remarquer qu'il n'y a pas de différence significative entre le nombre de lignes de code exprimant l'algorithme, ce qui montre effectivement que les constructions sont pareilles au fait, entre les différentes plateformes pour juste représenter la science derrière le composant. Alors, après un meeting au niveau de DESAT, nous avons alors transformé. J'ai d'abord montré CropQML à l'ensemble des développeurs, des modélisateurs de DESAT. Et en 3 jours, nous avons essayé d'adapter alors le composant qui était déjà défini dans Fortran pour répondre aux spécifications de DESAT. Cette séance m'a permis de connaître les spécificités de DESAT et alors de pouvoir définir l'adaptateur DESAT et qui pourrait automatiquement générer le composant dans DESAT. Qu'est-ce qui reste alors à faire? Juste qu'il faut essayer de connecter ce composant aux données et de pouvoir définir la boucle de simulation, ce qui nous a permis alors de pouvoir exécuter librement ce composant, facilement ce composant dans DESAT et de l'intégrer alors au modèle de DESAT. Dans le cadre de ma thèse, je ne me suis pas simplement arrêté au module, au composant Energy Balance. J'ai utilisé également le composant Phénologie, comportant près de 13 processus, et le composant Snow, qui vient de Styx, du modèle Styx, transformé dans l'ensemble des plateformes, et dont la transformation inverse a été déjà élaborée pour certaines plateformes et pas d'autres. Ce n'est qu'une question d'implémentation. Enfin, voilà un peu les résultats dans Optalia, où on montre le workflow de transformation de bilan énergétique, de phénologie et du module neige de Styx dans Optalia.
les bénéficiaires de tous les résultats de ma thèse, les constructeurs de modèles qui peuvent utiliser les concepts de CropTuML pour définir les composants à partir de peu de spécifications. Les développeurs de plateformes qui peuvent établir des règles de transformation entre CML avec leur plateforme et qui pourraient leur permettre alors de faire le lien avec d'autres plateformes. Et enfin, les utilisateurs de modèles qui peuvent utiliser l'interface définie CropStudio et qu'on pourrait mettre aussi à leur disposition un ensemble de composantes provenant de différentes plateformes. Enfin, je conclurai. Pour montrer mes contributions, ces contributions qui vont dans le sens de la collaboration entre les différentes plateformes. Cette collaboration a été établie par la mise en place d'un métalangage qui, ici, pas pour la modélisation et la simulation, mais juste pour la représentation de processus en vue d'une réutilisation des composants. J'ai défini un langage qui permet d'être le plus proche de l'expression mathématique des composants, un système de transformation à la fois pour générer, pour mettre à disponibilité des plateformes, plusieurs composants de modèles, également un framework qui facilite l'échange et la réutilisation. Et aussi, on pourrait tendre vers un standard, car derrière, c'est tout un consensus qui a été mis en place et qui, c'est à l'issue de nombreuses discussions et des différentes plateformes de modélisation. À court terme, même perspective, en guise de perspective, nous allons toujours travailler sur la troisième partie de la thèse, juste en termes d'implémentation pour pouvoir avoir un système complet de réutilisation. Ensuite, nous allons améliorer CropTuML pour prendre en compte des structures complexes, également pour l'annotation sémantique, afin de pouvoir mettre en place des composants qui ont un sens biologique et pouvoir guider les modélisateurs afin de choisir des composants de façon efficiente. À moyen terme, c'est de pouvoir mettre en place un framework de comparaison et d'amélioration des modèles de simulation. Et dans ce cas, il faudrait alors passer à l'échelle en prenant en compte les modèles de calcul qui sont différents dans l'ensemble des plateformes, à savoir les modèles événements, les modèles acteurs, pour pouvoir enfin simuler à partir de CropTuML. Et aussi tendre aller à l'échelle en prenant en considération également les plateformes intégratives comme CropInSilico. Et à long terme, c'est de pouvoir faire le lien entre les composants CropTuML avec les composants FFSTM afin de pouvoir mettre en place un système qui tient compte également de l'hétérogénéité parcellaire et pouvoir utiliser les paramètres structuraux décrits par FFCM dans les modèles de culture. Mais cela nécessite alors une prise en compte également des structures 3D dans le modèle CropTuML. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, je reprends la parole. Le timing est absolument parfait. Je reprends la parole donc maintenant pour la séance de questions. Alors, comme nous n'avons pas avec nous le premier rapporteur qui était Eric Rama, professeur à l'Université du Littoral Côte d'Opale, je vais lire la conclusion de son rapport pour attester devant tout le monde qu'il était tout à fait favorable à cette soutenance et à la présentation des travaux. Donc, voilà ce qu'écrit Eric Rama. En conclusion, M. Cyril Ahmed Mbidingoi propose un résumé des nombreuses propositions de la thèse, un métalangage pour la spécification des modèles de culture, un langage de représentation des algorithmes de calcul, un système de projection vers les plateformes et de rétro-ingénierie. Les propriétés de l'approche sont ainsi résumées: amélioration du partage et de la réutilisabilité des modèles. Plusieurs perspectives sont ensuite énumérées: prise en compte des structures de données composites, l'assemblage de modèles à l'aide de connaissances expertes, l'extension aux modèles de type FSPM, modèles de plantes via des spécifications structure-fonction, l'utilisation des outils pour la comparaison des plateformes et l'introduction d'annotations sémantiques,
Les pistes sont intéressantes et démontrent la capacité de l'auteur à se projeter dans un projet de recherche à moyen terme. Et de plus, je tiens de nouveau à souligner le travail important réalisé avec de vrais enjeux scientifiques et au sein de projets nationaux et internationaux. Il faut aussi souligner un bon niveau de publication lors de la thèse. Je conclurai donc en donnant un avis favorable pour que ce mémoire soit présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de docteur. Et donc, c'est ce que nous venons de faire ce matin. Nous venons de faire ce matin cette soutenance. Est-ce que tout va bien au niveau technique ? De votre côté. Oui, c'est bon. Voilà, donc je vais donc voilà après cette lecture de rapport, je vais donc maintenant passer la parole à Gérard Buxorlin, qui est professeur Agrocampus Ouest. Merci, Madame la Présidente du jury, de me donner la parole. J'aimerais d'abord remercier les directeurs et co-directeurs de cette thèse de m'avoir invité en tant que rapporteur, et j'espère que mon rapport a pu fournir quelques commentaire utile pour cette soutenance qui est toujours censée d'être complémentaire au manuscrit, conférant les éléments d'explication en vive voix qu'un manuscrit ne peut pas vraiment conférer. Je vous félicite, Cyril, d'ores et déjà de l'énorme travail de programmation que vous avez dû effectuer et qu'un simple manuscrit de thèse ne peut peut-être pas refléter dans son entièreté. J'avoue de n'avoir pas eu le temps d'étudier la documentation de tous les outils que vous avez créés et je n'ai donc peut-être pas assez pu apprécier l'ampleur des travaux effectués dans un temps limité. J'assume que vous avez fait la thèse en 3 ans, peut-être un peu plus, mais en tout cas, c'est énorme, bravo. Merci. Vous avez publié un article et vous avez soumis au moins un autre manuscrit à un journal à comité de lecture. Et votre manuscrit rédigé entièrement en anglais est globalement très bien écrit. Merci. Alors, aussi mes félicitations pour un oral très clair et très bien présenté et qui a donc su donner la complémentarité dont on s'attend toujours en tant que membre du jury. J'ai quelques questions à vous poser ainsi que des commentaires et je vais commencer par une question déjà assez fondamentale. Je voulais faire ça en anglais, mais vous m'excusez que j'ai pris des notes là, je vais lire mes notes un peu. Je ne suis pas entièrement francophone, comme vous l'avez peut-être noté. Bon, alors concernant la stratégie poursuivie, c'était un peu plus clair maintenant dans la présentation, mais j'avoue que n'avoir pas encore bien compris la stratégie plus large et à long terme de ce projet. Peut-être pouvez-vous m'aider à mieux comprendre à quel niveau vous avez voulu révolutionner, si je peux dire, le paysage des modèles de culture. Alors, je m'explique. N'aurait-on pas dû d'abord standardiser l'ontologie des processus physiologiques, que vous appelez biophysique, mais peu importe, en fait, c'est un peu le tout. Donc, cette ontologie dont vous parlez aussi, donc tous les processus physiologiques qui sont pertinents pour la production primaire, avant de se lancer dans l'aventure de vouloir créer des passerelles entre les plateformes. Parce que dans la première section de la discussion générale, vous écrivez « This approach will change the habits of modelers that used model code as a knowledge base. » Ou bien, page 129 de votre manuscrit, « CML was designed to minimize added complexity by choosing a language close to existing languages. Si CML n'est qu'un autre langage de modélisation, alors pourquoi donc apprendre CML d'abord et non pas un des nombreux langages et plateformes déjà existantes et qui sont aussi bien documentés et dotés souvent par une riche galerie des modèles? Voilà pour une question un peu longue. Mais vous êtes libre de commenter peut-être un peu plus ou autrement encore expliquer la stratégie. Mais voilà. OK. Alors, d'abord, au début, il y a l'initiative AMEI qui est composée de différentes plateformes internationales. Et au sein de cette initiative, les réflexions qui étaient menées, c'est de pouvoir échanger
les connaissances sur les processus biophysiques. Et l'objectif, c'était de pouvoir réutiliser, de pouvoir mettre à disposition de différentes plateformes des composants, des hypothèses alternatives qui sont développées dans les différentes plateformes. Donc, la première partie, c'était déjà de pouvoir réutiliser le composant. Est-ce qu'un composant d'une plateforme peut être réutilisé dans une autre plateforme? C'était ça, d'abord, l'objectif. Donc c'est pour... Voilà, et l'intérêt au fait également de cette approche, il date déjà de plus d'une dizaine d'années où il y avait un fort intérêt théorique de réutilisation de composants. Donc, raison pour laquelle j'ai d'abord abordé cette question de représentativité du composant, indépendamment des plateformes. C'est aussi un moyen de pouvoir... pour que l'ensemble des plateformes puissent comprendre le processus qui est implémenté. Le second point, c'est que pourquoi avoir utilisé un nouveau langage, ne pas avoir utilisé les langages des plateformes? Il faut aussi prendre en considération que la plateforme n'est pas juste dépendante d'un langage. Les plateformes utilisent à la fois les types de base des langages, mais elles utilisent également des types spécifiques. Par exemple, vous avez des types VAR, si Frédéric est là, voilà, des types VAR pour VLE, qui en réalité, c'est une, qui en réalité, ce sont des types doubles avec certaines structures derrière. Donc, ce qui fait que le langage C++ n'est pas réellement le langage de VLE. C'est une réutilisation, c'est une forme d'héritage du langage de C++. Ce qui fait qu'il n'était pas possible de pouvoir utiliser ces langages pour pouvoir implémenter, pour pouvoir définir le processus. Par contre, le fait qu'il y a également OpenAlea dans l'ensemble des initiatives, c'était également un des langages de l'initiative. Donc Python, puisque c'est le langage qui est plus utilisé, parce qu'il est possible également de pouvoir représenter les composants dans d'autres langages en OpenAlea. Alors j'ai essayé de comparer l'ensemble des langages des plateformes Python, C Sharp, Java, pour voir un peu les constructions. Et le langage qui permet d'avoir une construction, une forme d'instruction beaucoup plus minimale, c'est le langage Python. Ouais. Parce que c'est un langage strict. Je peux interrompre. Oui. Globalement, on peut donc dire que CML est un langage qui est plutôt similaire à Python. Exactement, avec du typage. Mais est-ce que cette proximité sémantique n'est pas une source potentielle de biais et donc un désavantage par rapport à l'objectif de créer un langage universel de modélisation des cultures? Vous savez d'où je veux aller. Parce que quelqu'un qui est habitué à un langage qui est très éloigné de Python va voir ça peut-être comme un désavantage, tandis que quelqu'un qui a déjà l'habitude de Python va dire bah, bravo, c'est très facile de faire le pont. Je m'explique peut-être un peu plus parce que je crois que j'ai déjà certains éléments. Déjà, je suis très content d'être plus convaincu maintenant parce que vous avez fourni dans votre oral des vrais exemples physiologiques. Parce que dans le manuscrit, j'avoue que c'était un peu basique. Il fallait peut-être faire ça d'abord pour bâtir. Mais le manuscrit n'a pas contenu des exemples, là, comme la présentation l'a eu, de la vraie complexité que j'ai vu maintenant. Par contre, où je veux aller, vous faites la publicité un peu dans deux directions. Donc, CML, je m'acharne un peu sur ça.
Donc, soit on peut dire, et je serais tout à fait d'accord avec ça, que si ML devienne un nouveau standard, mais dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin de sa capacité de traduire entre les différents langages. On arrivera à une sorte de langage universel, comme une sorte d'espéranto, ou bien votre tactique ou votre stratégie que. On attend que, ou on assume que, on suppose que les différentes approches de modélisation vont se maintenir et qu'on aura besoin d'une approche de traduction encore pour un bon bout de temps. Mais vous dites les deux choses, au moins dans le chapitre 4. Vous dites, voilà, là c'était une petite inconsistance, mais je vois bien que peut-être les deux choses sont valides. Mais voilà, défendez-vous là. Exactement, c'est vous avez totalement compris la stratégie. Il faut noter que chaque plateforme veut rester autonome. Donc, le fait d'avoir défini un nouveau langage ne confère pas à Crop.ML une capacité de modélisation et de simulation. Donc, c'est juste un moyen de pouvoir représenter de façon uniforme un composant. Alors, si chaque plateforme doit garder son autonomie, il faudrait alors faire une forme de transformation vers l'ensemble des plateformes, tout en gardant, afin que les plateformes gardent leur autonomie. La raison pour laquelle j'ai alors défini un transformateur. Alors, dans l'autre sens, pour le dernier chapitre, c'était d'abord pour le premier sens, c'est que on peut vouloir définir un nouveau processus. On peut partir au fait de Crop.ML et de CML pour définir un tout nouveau processus sans connaître les spécificités des plateformes. Et lorsque le choix serait fait pour une plateforme de pouvoir exécuter le processus qui est implémenté, on peut le transformer vers la plateforme de son choix. Par contre, l'autre point, c'est qu'il existe déjà des processus qui sont implémentés, des processus implémentés dans les différentes plateformes. Et ce serait une forme de réécriture au fait du composant, encore une fois, dans Crop.ML, dans CML, d'où alors l'idée de pouvoir mettre en place un système de transformation qui va partir des composants déjà existants dans les plateformes avec Crop.ML. Et ainsi, dans ce cadre, on met en place alors une forme de réutilisation déjà des plateformes vers les plateformes sans passer par Crop.ML. Donc, c'est. J'espère vous avoir convaincu. Oui, ben, merci pour cette réponse. Je me demande, j'essaie de me mettre dans la peau d'un utilisateur d'un modèle. De quoi a besoin l'utilisateur typique d'un modèle? J'essaie de faire une liste des choses. Vous avez fourni certains éléments, mais puis de la vérification automatique des unités et des échelles des variables et constantes. D'après mon expérience, c'est la source principale d'erreurs et de frustrations quand on communique d'un modèle à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, on a une valeur, on le reprend, et après l'avoir utilisé dans le modèle, on se rend compte que, en fait, l'unité n'était pas, c'était square foot par chez quelque chose, tandis qu'on aurait dû prendre centimètres. Et ce genre de choses, est-ce que c'est, je l'ai pas vu dans la, mais peut-être c'est dans la documentation et vous l'avez implémenté ou c'est une question bête, mais est-ce que c'est prévu de faire cette vérification automatique des variables et des constantes en. Exactement. Il y a deux formes de vérification. La première vérification, c'est sur la composition des modèles unitaires. La composition, les entrées et les sorties. Cette forme de vérification, elle est déjà faite et elle est simple. Par contre, il y a une autre forme de vérification au niveau de la représentation mathématique des composants. Et le fait d'avoir utilisé CML et de pouvoir représenter le composant, l'algorithme sous forme de graphe nous permet de faire cette vérification. Parce que lorsque j'ai défini tout à l'heure l'arbre sémantique abstrait, au niveau de l'arbre sémantique, lorsque nous parcourons le graphe, nous avons à la fois chaque fois les variables qui sont définies dans l'algorithme et les méta-informations de Crop2ML. Et j'associe
ces méta-informations aux variables de l'expression mathématique et qui nous permet aussi de vérifier si les unités sont cohérentes dans l'expression mathématique. D'accord. Cela a été déjà implémenté, mais ce n'est pas encore validé parce qu'à chaque implémentation, j'essaie d'avoir aussi un consensus derrière pour l'ensemble des plateformes pour voir. Déjà, il y a une question de, d'ontologie. Quel type d'unité standard que nous allons tous définir? Parce qu'il faut, il faut définir ensemble un certain nombre d'unités. De mon côté, j'ai fait une liste d'unités qui, à la longue, pourraient être validées et puis pourraient être utilisées également pour vérifier l'expression mathématique, la cohérence des unités dans les expressions mathématiques. Donc, c'est pensé également. Je regarde un peu le temps, Madame la Présidente. Est-ce que je peux encore poser quelques questions ou... Bon, je continue un peu. La deuxième partie de cette question, donc un autre élément, ça serait peut-être un outil de validation ou d'analyse de sensibilité, un peu plus universalisé, comme dans la thèse de Chong-Li Wu, qui a fait sa thèse, bon, ça date déjà un peu, mais sous la direction de Paul-Henri Cournède. Et cette thèse était également un exercice dans l'optimisation des modèles, donc une analyse d'utilité des composantes dans un modèle de culture. Est-ce que, si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourrez envisager d'implémenter ça aussi? Ce n'est pas fait, mais en guise de perspective à moyen terme, nous avons pensé mettre en place un framework d'intercomparaison, de simulation de modèles. Mettre en place ce framework nécessite alors la définition des modèles de calcul, comment est-ce que les composants peuvent s'interconnecter. Et d'abord, il y a un travail qui devrait être fait préalablement, c'est de pouvoir définir dans CORP2ML tout un ensemble de modèles de calcul. Et après avoir défini cet ensemble de modèles de calcul, nous pouvons prendre en compte certains avantages d'utilisation des plateformes comme l'analyse de sensibilité, la calibration et tout un autre type de processus qui sont déjà intégrés dans les plateformes de modélisation. Donc, effectivement, c'est une perspective qui est visée à moyen terme. OK. Je vais vous poser une dernière question. Vous décrivez dans le chapitre, je crois que c'est dans le chapitre 5, la transformation des arbres sémantiques, donc AST à ASG. Et cette transformation est effectuée en utilisant des règles de réécriture, des graphes. Oui. Ah, mais la méthode de réécriture n'est pas spécifiée. Je fais la référence à la page 122 de votre manuscrit. Et là, vous décrivez, vous dites clairement, vous dites, voilà, réécriture de graphes. Mais ça m'intéresse parce que j'étais... un peu co-encadrant d'une autre thèse que celle de Ole Kniemeyer qui dans sa thèse a implémenté un système de réécriture des graphes. En fait, ce qui a abouti à un langage de modélisation XL et une plateforme GROIM. Vous l'avez peut-être pensé, c'est plutôt le domaine des FSPM, mais ce qui m'a interpellé, c'était le fait que vous faites aussi la réécriture des graphes. Et dans cette thèse, il fournit aussi une discussion assez extensive sur les différentes méthodes disponibles de réécriture des graphes. Est-ce que vous pouvez me préciser quelle méthode de réécriture vous avez utilisée? Après, un graphe, ça peut être aussi spécifié. Oui. Un string, c'est un graphe, un arbre, mais ça peut être aussi plus complexe. Et la réécriture se complexifie avec la complexité du graphe de base, donc la structure des données et donc le nombre de nœuds, le nombre de gains qui sont à remplacer. Oui. Déjà, j'explique mon approche de réécriture du graphe. C'est que j'ai une forme de représentation déjà de l'arbre sémantique abstrait, l'ASG. Et nous avons déjà les constructions de l'AST. On peut connaître déjà l'ensemble des constructions d'AST, de C-Sharp, de Java, qui sont déjà prédéfinies. Et à chaque construction de langage, j'établis déjà la construction correspondante
l'ASG, clairement défini. D'autre part, il y a le code. Dans le code, je représente, c'est une représentation du code en un arbre qu'on appelle AST. Ouais. Lorsqu'on a, on a cette représentation de l'AST, il y a un mécanisme de parcours de l'AST. Lorsqu'on parcourt l'AST, chaque nœud de l'AST, au niveau de chaque nœud, on observe le type du nœud. Lorsque le type du nœud correspond à un des types prédéfinis dans la relation entre l'AST et l'ASG, le graphe et le sous-graphe est représenté. C'est un système qui va, par exemple, du bas vers le haut, à partir des nœuds les plus fins jusqu'aux nœuds plus grands. Il n'y a aucune ambiguïté de confondre les nœuds et Non, les constructions sont bien annotées et il n'y a pas de nœuds qui... Ben écoutez, merci encore de m'avoir répondu et pour cette présentation. Et je redonne la parole à la présidente. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant passer la parole à Gaëtan Louarne, qui est chargé de recherche INRAE. Bonjour. Je vais également remercier les encadrants pour m'avoir donné l'occasion de découvrir ce travail. Mon impression générale, elle rejoint assez celle de Gérard finalement. C'est d'abord celle d'un document que j'ai trouvé assez accessible et facile à lire. Je suis plutôt agronome et monélisateur qu'informaticien, et c'est vrai que rentrer dans un tel sujet, je me posais des questions, et je pense que le manuscrit est vraiment construit de façon intéressante, avec une introduction qui amène bien les éléments de contexte et une biblio que je trouve vraiment bien faite et une discussion finale que j'ai trouvée aussi intéressante et qui montrait une certaine prise de recul par rapport au sujet et du coup j'ai apprécié globalement le contenu du manuscrit. Alors avec des bémols qui portent sur les trois chapitres vraiment au cœur de résultats et dont j'ai du mal à faire la part des choses entre des éléments qui sont encore en construction, des différences peut-être de background disciplinaire et de façon de communiquer entre les disciplines et du coup sur lesquelles je vais sans doute vous interroger. Les deux principaux points sur lesquels j'ai eu un petit peu plus de mal, c'était dans les chapitres 3, 4, 5. C'était finalement la difficulté pour moi était de voir la part de ce qui était mis dans ces chapitres qui relevait finalement d'un gros travail d'ingénierie sur lequel on n'a pas du tout de doute, sur lequel il y a vraiment eu un énorme travail de fourni. Et sur l'aboutissement finalement des questions de recherche qui sont annoncées en début de thèse. Et je me demandais finalement, à moi il m'a manqué quelques éléments sur le degré de finition finalement de ces outils et leur évaluation. Souvent, je trouve la partie descriptive est très bien faite et la partie évaluation était un petit peu frustrante. Alors, elle était en partie levée, c'est vrai, par des exemples un petit peu plus fournis dans la présentation orale, et ça, je trouve ça très appréciable. Voilà. Et puis après, j'avais des questions aussi, des questionnements sur la stratégie, sur par rapport aux nouveaux, aux questions que doivent résoudre finalement des tels systèmes de traduction automatique. C'était sur le choix un peu des cas tests finalement à utiliser. Et peut-être, ouais, je vais commencer par cette question-là qui est un petit peu complémentaire que celle que Gerhard a déjà posée. Dans ces chapitres est annoncée par exemple la capacité à prendre en charge tout un tas de types de modèles, de types de plateformes,
d'aller jusqu'à la traduction automatique sur les plateformes et de réaliser des cas tests. Et je me demandais finalement, est-ce que et également identifier un certain nombre de points qui ne sont pas encore pris en charge par les outils de Crop2ML. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un recul qu'on peut déjà avoir sur si on prend une des plateformes, je ne sais pas, par exemple Bioma, qui est finalement déjà fournie par une grande liste de modèles décrits à des grains unitaires, quelle est la part de ces modèles qui seraient automatiquement pris en charge par les outils qui sont déjà disponibles? Est-ce que vous avez une idée sur... voilà, il y a des prérequis finalement pour réussir à faire ces transformations en termes d'informations disponibles pour annoter les modèles. Peut-être, j'ai cru comprendre sur certains types de variables corrélées qui n'étaient peut-être pas faciles à prendre en charge. Et du coup, sur les modèles existants, est-ce que les cas sur lesquels les exercices de démonstration ont été faits, c'est finalement des cas représentatifs ou finalement des cas autour desquels l'outil a été bâti, mais finalement, il reste encore à être évalué sur un grand nombre de situations. C'est une première question. OK, merci beaucoup, Monsieur Loan. Oui, effectivement, c'est une approche extensive qui prend en compte au fur et à mesure les capacités des plateformes, les informations des plateformes au fur et à mesure. D'abord, nous sommes partis déjà d'un composant qui bilan énergétique qui ne prend pas en compte des structures de données complexes, c'est juste des structures très simples, basiques, qui permet facilement de pouvoir représenter le composant Crop2ML. Par contre, lorsque nous allons vers le composant phénologie, il arrive que parfois les plateformes, comme je le disais tantôt, ce n'est pas simplement les langages. Et même si la plateforme définit un certain nombre de règles, de types, de structures, le modélisateur peut, en plus des règles définies par la plateforme, choisir sa propre règle, définir d'autres types de structures, parce que c'est une plateforme très générique qui peut définir d'autres structures qui n'est pas contenue au fait dans la base des structures déjà prédéfinies par la plateforme Bioma. Et ça, c'est un cas, par exemple, du composant phénologie où il existe des structures qui sont beaucoup plus complexes et qui, à la longue, après discussion, échange avec le modélisateur, on est arrivé quand même à une structure beaucoup plus simple qui ne modifie pas la connaissance au fait du composant. Et cette structure très simple nous a permis de représenter le composant en Crop2ML et de pouvoir encore redéfinir, transformer le composant encore en Bioma pour voir si réellement la nouvelle structure, elle est quand même cohérente et qui répond déjà à ce qui est prédéfini. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas grand changement, ce qui fait que on pourrait bel et bien utiliser des structures beaucoup plus simples parfois pour pouvoir bien faire, pour pouvoir mieux représenter les composants. Et voilà. Donc, ça, c'est des cas qu'on peut observer et qui ne vont pas tenir compte au fait des constructions minimales qui ont été définies dans Crop2ML. Donc, pour ces cas, oui, voilà la stratégie qui a été adoptée. Mais par contre, je suis bien conscient qu'il existe des structures de données composites dans les plateformes. Il peut y avoir une structure de données composite, par exemple, comme le temps, qui prend en compte à la fois la température, juste une structure de données qui prend en compte la température et qui n'est pas, en fait, décomposée en structure beaucoup plus simple. Et ça, l'approche que j'ai proposée, c'est de décomposer cette structure de données, ce qui peut être aussi un peu... qui peut être revu, et d'où, en fait, l'une des perspectives de la suite de la thèse, c'est de pouvoir mettre aussi en œuvre des structures de données composites. Donc, voilà. Mais c'est une approche quand même qui est extensive et qui, en fait, ne modifie pas ce qui a été préalablement implémenté. Donc, au fur et à mesure, avec des tests, on se rend compte qu'il y a parfois des structures qui ne sont pas mises en place, qu'on ajoute simplement sans pouvoir modifier
tout ce qui a été déjà fait auparavant. Donc. Et justement, dans des cas où... alors, j'ai l'impression que ce que vous décrivez, finalement, c'est un petit peu une utilisation possible de ces outils. Ça peut être aussi, finalement, d'aider à modulariser ou à faire évoluer les codes des modèles. Est-ce que vous avez des idées ou des exemples? Parce que l'expérience que j'ai de la modularisation, moi, je travaille beaucoup avec un modèle un peu ancien qui a 20 ans d'existence et de contributions diverses et variées. Et puis, il y a certains éléments qui sont très difficiles à décortiquer en modèle unitaire, finalement. Et est-ce que sur des modules très intégrés comme ça, d'avoir un outil comme les AST, les ASG que vous êtes capable de construire à partir d'un code source, peut permettre de pointer vers des façons de modulariser? Et en quoi c'est différent de graphes, d'outils qui existaient déjà pour faire des graphes d'appel de fonctions et des choses comme ça? Est-ce que ça apporte quelque chose en plus ou est-ce que c'est une autre façon de faire la même chose? Bon, là, j'ai défini au fait deux façons de représenter, pas deux façons, mais deux façons complémentaires. La première, c'est les méta-informations et la seconde façon, c'est l'algorithme qui porte. Dans les méta-informations, nous avons des jeux de tests unitaires. Et effectivement, toutes les plateformes ne l'implémentent pas. Or, il faut quand même avoir une forme de fiabilité dans les composants pour pouvoir échanger les composants. D'où la définition d'un jeu de tests unitaires qui force également à avoir des composants à faible grain. Donc, avoir des composants à faible grain nous permet également de mieux comprendre le processus qui est décrit. Parce que lorsqu'on a des composants dont l'algorithme est défini sur une dizaine de lignes de code, il est difficile de comprendre en fait l'hypothèse qui est derrière la définition de ces algorithmes. Donc, voilà. Donc, d'où en fait l'utilité de pouvoir définir des tests unitaires. Ensuite, leur représentation en des AST, c'est dans l'intention de pouvoir définir des composants après qu'ils soient réutilisables dans les autres plateformes. Ce n'est pas une forme d'expression sur laquelle les constructeurs de composants peuvent discuter. C'est juste une forme intermédiaire de représentation pour aller vers des composants. D'accord. Sur les tests unitaires, là, c'était pareil, c'était dans les choses que j'aurais spontanément fait. Peut-être c'est dans la culture qu'on a de construire des modèles et d'aller évaluer assez directement avec des mesures et des données ce qu'on a fait. Et je me demandais, finalement, c'est annoncé que la démarche, elle incorpore finalement ces tests unitaires. Mais il n'y a jamais d'éléments qui sont montrés ou discutés sur le fait que ces tests ont bien été faits, ils ont été comparés entre différentes plateformes ou différents. Et je me demandais, est-ce que c'était le fait de la trivialité des cas que vous aviez représentés ou du fait que peut-être ces tests unitaires n'étaient pas disponibles dans les cas que vous aviez choisis ou que c'était finalement trop trivial pour comparer? Et la question au-delà de ça, des tests unitaires, vous avez évoqué les métriques qu'il faudrait mettre en place pour justement aller jusqu'au bout de la démarche et peut-être élaborer sur cette question des métriques. Oui, effectivement, dans le manuscrit, je n'ai pas montré tout l'exemple toute la définition des composants CropToML. Sinon, sur la plateforme GitHub, j'ai l'ensemble des composants avec les tests unitaires. Nous avons à la fois la représentation sous forme déclarative de ces jeux de tests unitaires,
Nous avons également leur implémentation dans les différents langages et qui permet de comparer si la sortie espérée équivaut à la sortie qui est prédéfinie dans le composant. C'est défini pour tous les cas d'exemple qu'on a utilisés. Mais effectivement, ce n'est pas détaillé dans le manuscrit. Oui, c'est peut-être effectivement trop direct, mais ça ne me semble pas évident spontanément quand on génère un composant de façon automatique à partir d'un système de traduction où potentiellement on peut aller choisir différentes librairies. Enfin, on peut imaginer qu'on arrive à des solutions qui ne sont pas identiques au code initial ou qui ne produisent pas exactement les mêmes résultats. Et du coup, d'avoir des éléments là-dessus, moi, je trouverais ça rassurant d'une certaine façon. Mais bon, voilà, c'était une des choses qui m'avait questionné. Dans un autre ordre, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le temps auquel j'ai commencé à poser des questions. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je pense encore une question, ça sera une bien. Question, alors je vais la choisir. Je vais poser celle-là parce que sinon je pense que personne ne la posera. C'était sur les perspectives avec les modèles FSPM. Vous avez parlé de l'extension finalement à des structures de données plus complexes qui pourraient prendre en compte l'aspect d'architecture des plantes. Mais finalement, il y a une autre dimension qui est assez particulière à gérer aussi dans ces modèles-là, c'est que finalement, c'est des modèles dynamiques à structure dynamique. C'est finalement, la structure, elle change avec le temps. Et même pour le représenter, on utilise souvent des formalistes qui sont eux-mêmes des langages informatiques de transformation. Et je me demandais si c'était quelque chose qui était facilement incorporable avec les concepts là, que vous avez développés. Est-ce que finalement, je pense notamment aux formalistes de type L-System. J'arrive pas bien à voir comment on appliquerait ça à des L-System, mais peut-être que voilà, il faudrait en discuter davantage. Je peux essayer de répondre déjà en disant que l'une des plateformes représentatives des FSPM dans le cadre de mon étude, c'est la plateforme Optalia, qui à la fois utilise le formalisme L-System, mais utilise également le langage Python pour pouvoir définir les processus. Et voilà. Donc, c'était cette plateforme qui était la plateforme de base où j'ai essayé de voir un peu les structures qui sont définies et tout. Et effectivement, l'objectif de pouvoir intégrer les FSPM avec CropML, c'est de pouvoir définir les paramètres, utiliser les paramètres structuraux qui estimés par les composants FSPM dans les modèles de culture. Donc, c'est un peu l'objectif qui était visé. Je ne sais pas si on aura une forme de représentation d'un composant FSCM totalement dans les modèles. C'est une perspective, on peut discuter après. OK. Bon, ben je vais céder la parole. OK. Merci beaucoup. Du coup, je la reprends, je m'en empare. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Myriam Adam, qui est chargée de recherche au CIRAD et qui, je crois, est dans l'amphi. Bonjour à tous. Moi aussi, je voudrais remercier les encadrants de m'avoir invité à cette conférence. Ils savent bien que la modélisation des modèles de culture est un sujet qui me tient à cœur. Donc, merci de m'avoir invité pour contribuer à la discussion. Et puis, je voudrais aussi surtout adresser mes félicitations à Cyril, parce que c'est, comme l'a dit Léa, je pense, un très grand travail de programmation qui est derrière cette thèse, même si ça ne se voit pas forcément dans le manuscrit, mais toute la programmation qui est derrière est énorme.
Et aussi, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le monde des modèles de culture, de la science, qui a été voir toutes les plateformes de modélisation et essayer d'extraire des spécificités. Donc pour ça, c'est aussi un très grand travail que j'ai fait, d'aller voir toutes ces plateformes et essayer de comprendre ce qu'elles font. Donc oui, je pense que le travail est très bon, qu'il y a des bons concepts de modularité derrière pour pouvoir après réutiliser les modules et surtout les échanger entre plateformes. Parce que c'est vrai que dans les modèles de culture, la modularité est déjà là depuis quelques années. Je pense que dans les modèles de culture en soi, on peut échanger les modules, mais on ne peut pas échanger d'une plateforme à une autre. Et ça, c'est vraiment la particularité de la thèse, je pense. Et donc, je pense que Cyril a vraiment proposé une méthode informatique qui permet cet échange, et il le fait avec aussi le concept de boîte blanche, non boîte noire, comme c'est fait souvent quand on fait l'utilisation de wrappers. C'est vraiment, je pense, aussi une des particularités de la thèse. Et tu l'as bien expliqué en montrant comment tu essaies en fait de dissocier les spécifications de modules avec l'algorithme. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ton chapitre 4. Le chapitre 4, tu expliques le CIML où on explique bien de manière claire la boîte blanche. On va ensuite essayer d'échanger entre les différentes plateformes. Donc, ben moi, comme tu le sais, hein, je suis plus portée vers la composition des modèles, c'est-à-dire on a des modules et comment on va essayer de les mettre ensemble pour que ça ait un sens. Donc, je vais surtout revenir sur ce genre de questions. C'est un peu sur la structure en fait, syntactique. Donc, ça, tu en as beaucoup parlé dans notre thèse et on va en reparler. Et puis, la sémantique. Et là, je vais revenir aussi là-dessus. De la composition plus technique et plus fondamentale du modèle de culture en soi. Donc, si je comprends bien, quand on crée un composant propre to ML, on a la spécification des modèles et on a les algorithmes. D'accord ? Dans la spécification des modèles, comme aussi est revenu là-dessus Eva, il y a bien la définition des inputs, outputs. D'accord ? Et en fait, je me demandais. Comment tu es sûr de la correspondance des inputs-outputs quand tu vas d'une plateforme à une autre? C'est-à-dire, par exemple, tu prends l'exemple de la phénologie qui vient de Bioma. On va avoir comme entrée la température et comme sortie, on va dire, les phases de développement du milieu. D'accord? Comment on est sûr que c'est. On a tous les entrées qu'on aurait besoin si on veut mettre cette même phénologie, par exemple, dans des SAT. C'est-à-dire que dans des SAT, peut-être que dans le modèle, on n'a pas besoin que de la température, mais on a aussi besoin de la photopériode. Donc, comment on s'assure que la correspondance des entrées et des sorties des deux composants qu'on veut en fait échanger est la bonne? Merci beaucoup pour tes questions. Effectivement, dans la première approche que j'ai définie, c'était une forme de description des entrées et des sorties. On décrit très bien les entrées et les sorties. Il y a également l'URL également qui est associée pour un peu plus aller en détail sur la description de composants. Et effectivement, la question qui se pose, c'est que lorsqu'on passe d'une plateforme à une autre, comment est-ce que la composition peut se faire? Nous avons aussi, à partir du modèle composite, on peut définir quelles sont les entrées réelles, qui sont les entrées exogènes, qui sont les entrées réelles au fait du composant. Et on connaît la liste des entrées exogènes du composant. On sait aussi les entrées ou les sorties dont on a besoin également dans la plateforme cible. Mais la question fondamentale, c'est que, effectivement, même si l'une des entrées, par exemple, c'est du LAI, également l'entrée d'un corps connu, c'est du LAI, le problème fondamental, c'est que est-ce que c'est le même type de LAI? Même si il y a la même description. Donc, c'était la question qui était fondamentale. D'où, en fait, l'idée à la longue, c'est de pouvoir, à la fois, en ayant décrit le modèle composite,
qu'on lui associe également une forme d'annotation, comme il est fait également dans CNN. On a à la fois le modèle des composants qui sont décrits et les annotations pour définir la provenance, pour avoir plus d'informations afin de mieux contextualiser au fait le composant. Ouais, je pense que ça revient un peu à ce que tu avais discuté avec Gérard quand tu disais qu'il y avait les unités, tu vérifiais si c'était bien la même chose. Et là, la question, c'est plus le composant que je veux échanger, il n'a pas forcément les mêmes entrées. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une entrée qui devrait venir d'ailleurs. Mmh. Comment on va faire? On va faire une forme d'adaptation, si ça répond au contexte. Ou, par exemple, on pourrait avoir une entrée qui est l'évapotranspiration, je suppose. Et également, une autre entrée qui est peut-être... supposons qu'il y a une entrée qui est l'évapotranspiration de précipité nord, au niveau de ça, et l'entrée au niveau de notre composant CropQL, c'est paiement. On pourrait adapter la conversion de précipité nord à paiement pour un composé de modèle. Ce serait une forme de modèle composé qui parle de précipité nord à paiement. En fait, ce qui voudrait dire que donc, par exemple, on a Dioma, on va le même module dans DSAT, mais il est possible qu'il faille rajouter un autre petit module composant, pour faire le module pour pouvoir connecter. D'accord. Ça peut être une stratégie. Vu la complexité des modèles de culture, je pense que c'est des choses qui devront être aussi incluses dans le raisonnement. Oui. Ouais, et après, c'est un peu dans la même ligne, mais c'est aussi comment, une fois que tu as le module, donc tu as Biomap, tu as transformé en DSAT, par exemple. D'accord ? Tu as les modules phénologie Biomap, il arrive en DSAT. Bon, tu as peut-être rajouté un petit bout parce que tu viens de le dire, il nous manque quelque chose. Comment tu es sûr que les sorties du module, qui est maintenant le module DSAT, ouais, va pouvoir s'intégrer aux autres composantes qui sont dans des axes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est dans la même logique que l'autre. Et exactement, ouais, où on pourrait également avoir une forme d'adaptation. Et c'est pareil également pour les échelles de temps. Et qui pourrait s'adapter, par exemple, on a eu un exemple sur Citizens où l'échelle de temps et du modèle était horaire. Et que, alors que la composition avec l'autre modèle unitaire était l'échelle du temps, était l'échelle journal. Donc il fallait passer au fait, donc ça va dépendre du composant, comment est-ce qu'on passe de l'échelle temporelle, l'échelle horaire à l'échelle temporelle. Et ça dépend de la boucle qu'on avait définie par exemple dans le modèle unitaire et pourquoi l'adapter après au modèle. Ça, c'est un exercice qui a été fait également avec la plateforme Citizens. On a fait une réunion là-dessus à notre niveau. Okay. Peut-être aussi pour être un peu plus explicite, c'est si par exemple tu as donc les différentes phases phénologiques qui sortent de ton module, oui, Bioma, disons qu'il a 5 phases phénologiques qui sortent, d'accord, et DSAT il en a 6, et le module LAI va dépendre de ces 6 phases. Ouais. Comment tu vas faire le lien entre les 6 phases du modèle qui doit sortir de Bioma et qui devenait DSAT avec le module qui existe déjà, le DSAT, que tu n'as pas à transformer, avec le nouveau module que tu viens mettre dedans. Tu m'as perdu peut-être quelque part, parce que je me suis peut-être perdu moi-même. Voilà. Tu as Bioma, d'accord, phénologie, qui va être transformé en un nouveau DSAT phénologie. Comment tu es sûr que le nouveau DSAT phénologie va avoir... Une phase de développement. Ouais. Et il est connecté avec les autres... composants qui existent dans DSAT et qui n'ont pas été transformés, ils sont encore purement DSAT. Parce que ce que tu fais, c'est juste changer. C'est une question sur laquelle on va réfléchir ensemble. D'accord. Oui, je pense que le travail que tu as fait permet justement d'essayer d'adresser ces. Et je pense que c'est énorme ce que tu as fait. Par curiosité, c'est quelque chose que tu avais fait toi-même ou pas? Tu avais réfléchi pendant ta thèse? Non, ce que nous on avait fait, c'était plus par rapport à tout ce qui est savoir d'expert. Ouais.
Ouais. Et donc là, c'est aussi des choses que je voulais revenir. Mais on n'a pas fait ce genre de choses. Voilà. Et justement, je pense que c'est cette notion où maintenant, comment on fait pour justement coupler les différents modules ensemble. Comme tu sais, c'est des choses auxquelles j'ai beaucoup réfléchi. Et j'aurais voulu avoir un peu ton... Je sais que c'est pas ce que tu abordes, c'est pas le sujet de ta thèse, mais c'est important pour en discuter. Donc, quelles sont tes idées par rapport à ça? Comment essayer d'être sûr que justement, ces différents modules vont vouloir dire quelque chose ensemble? Je pense qu'on a discuté là pour... Et quelles sont tes idées? Est-ce que tu as des choses... Comment, par exemple, coupler différentes méthodologies qui existent peut-être déjà. Tu as déjà abordé un dans ta thèse le fait que tu pourrais coupler ce qui est fait dans Protein Silico avec ce que tu as fait. Est-ce que tu pourrais aussi coupler ce que tu as fait avec des savoirs d'experts et comment tu le ferais? Oui, j'ai beaucoup plus vu les approches un peu sur l'adaptation temporelle, l'agrégation de tout temps, comme ce que je viens de dire précédemment, pour avoir une variable agrégée. J'aime beaucoup plus ces approches, mais l'approche qui... Le savoir d'expert, pour le moment, ce n'est pas quelque chose auquel tu... Et tu penses, est-ce que tu aurais une idée au niveau informatique comment ça peut être intégré, un savoir d'expert? En utilisant peut-être des graphes, comme tu oui, fais, oui. Des choses comme ça. Quelles sont tes idées? Effectivement, oui, j'ai également lu dans les tabulaires une forme de définition des contextes. Mm-hmm. Le contexte de modélisation et comment est-ce qu'on peut également assembler des contextes. Et je pense que oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ou pas? Parce que je ne connais pas justement ces contextes. Oui, bon, on définit par exemple un contexte lorsque on a un objectif de modélisation, on a un contexte, voilà. Donc il y a une forme d'écriture pour pouvoir représenter ce contexte. D'accord. Dans les traits, hein. Également, l'auteur montre également comment est-ce qu'on peut associer des contextes. Je pense que c'est intéressant aussi à mieux creuser ce domaine de l'opération de contexte. Il sera justement très complémentaire. Oui, mais je n'ai pas très bien rendu ce sujet. Non, mais tu as déjà fait un travail énorme sur la modularité. Okay. Très bien. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Oui, oui. Encore une question. Okay, bah, je vais peut-être une dernière question un peu plus globale. Lorsque j'avais écrit ma thèse, maintenant c'était un peu longtemps, j'avais écrit une phrase qui était la suivante et j'aurais aimé savoir ce que tu en penses et où tu penses que ta thèse se situe. D'accord, j'avais dit, les modèles de croissance de culture sont destinés à être utilisés par les experts en culture et non comme des jouets par les geeks en informatique. Donc, qu'est-ce que tu penses de cela? Et où est-ce que toi, ta thèse se situe par rapport à ça? Ça revient toujours à la question de... Un modèle, c'est un peu du code. Mm-hmm. Donc, derrière un modèle, c'est un ensemble d'hypothèses. C'est un ensemble d'hypothèses prédéfinies. Donc, ça rejoint la question aussi de la sémantique. Et effectivement, c'est une question qui a été abordée partiellement. En définissant une forme de conceptualisation en fait, des composants, la description des composants. Et même si nous n'avons pas tous les éléments de contexte, c'est quand même déjà des éléments qui sont intéressants pour savoir oui, cette entrée, ce que ça signifie, quelle unité est utilisée, quel type de variable, est-ce que c'est un flux, est-ce que c'est un état, est-ce que c'est un exogène au composant. Autant d'informations quand même qui peut me permettre de comprendre le processus, la structure également du composant, lier la structure du composant également à l'algorithme du modèle composite également, en tout cas, je trouve que c'est une approche humaine dans la définition des composants. Donc, voilà la partie là où je me situe dans cette phrase. Et l'autre point qu'il faut aborder, effectivement, c'est la notion de la sémantique pour pouvoir lier ensemble. Donc, je réponds partiellement à cette dernière phrase, mais il reste quand même du travail à faire pour aboutir. Ah, mais tu as déjà abordé ça avec l'approche de boîte blanche. C'est ça. Oui. Okay. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc ça, c'est le point du jury où je vais, voilà, je vais intervenir maintenant plutôt comme examinatrice que comme présidente de jury. Bon, je me représente à nouveau, Marianne Huchard. Donc moi, je suis professeure à l'Université de Montpellier et je me représente aussi pour quoi? Parce que, en fait, moi, le point de vue d'où je vais parler, c'est plutôt le point de vue de mon domaine de recherche principal qui est le génie logiciel. Et donc, c'est à ce titre-là, j'ai été extrêmement intéressée par la thèse proposée et défendue. Je trouve qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. Alors, je vais peut-être essayer de faire aussi une synthèse de tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais m'en sortir avec ça, mais donc je voudrais bon, déjà vous remercier de m'avoir invité dans le jury parce que c'est très, je dirais, c'est très intéressant et même très important pour moi et pour mon équipe en général, parce que nous, on est positionnés plus sur les aspects voilà, conceptuels, théoriques, méthodologiques du génie logiciel. Et là, bon, ben, on y est en vrai, quoi. On n'est pas juste en train d'essayer de développer des idées, mais on est vraiment dans le concret, donc c'est extrêmement intéressant. Et j'ai retrouvé, il y a 1000 sujets qui intéressent, je pense, les collègues de mon équipe dans le travail là, qui est présenté là. Et donc, bon, je vais rentrer là-dedans, mais avant, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, à la lecture du manuscrit, c'est la sensation de l'exposer aussi d'une démarche, c'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié que vous vous soyez posé des problèmes sur comment je vais raisonner, comment je vais faire ma recherche, comment je vais la poser, comment je vais la positionner. Et c'est voilà, je trouve que c'est très intéressant de voir ça. Toutes les thèses n'ont pas ça. Surtout moi, dans mon domaine, souvent les thèses sont directes dans la technique. Et c'est dommage, on ne voit pas le recul qu'a pris le doctorant sur sa démarche, en fait. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Parmi les formes de raisonnement citées, on pourra peut-être que vous pourrez réfléchir aussi au raisonnement abductif, qui est un raisonnement important. Vous parlez de l'induction, de la déduction, mais l'abduction, c'est aussi un point important. Et je ne suis pas sûre que vous n'en ayez pas fait, en fait, à certains moments, mais on ne va pas rentrer dans le raisonnement, ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Et forcément, j'étais sensible à ce que j'ai lu sur ce que vous disiez sur le génie logiciel, qui en fait est un outil pour vous, mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est un outil, mais dans cet outil qui vient et dans ces méthodologies qui viennent de l'informatique, vous avez aussi une source d'inspiration qui vient alimenter, et je l'entends aussi au travers de tout ce que vous avez tous dit, en fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que vous êtes tous en train de nous parler des problèmes de notre domaine, et donc je me suis dit, bah, ça va, c'est qu'au moins on ne se trompe pas, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment en fait les deux disciplines s'auto-alimentent, c'est-à-dire que vous avez des vrais problèmes pour votre domaine, mais en fait c'est des vrais problèmes pour le nôtre aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toutes les solutions, et on l'a bien vu encore aujourd'hui, en fait il y a des tas de vraies questions là qui sont posées et auxquelles on n'a pas forcément les réponses dans notre domaine, et c'est en ça que tout à l'heure j'ai eu la sensation que dans les questions de Gaëtan a interrogé un peu les chapitres 3, 4, 5, est-ce que c'est de l'ingénierie? Ben, en fait, pour moi, non. Bien sûr, il y a de l'ingénierie. Hein. Il y a de l'ingénierie, on ne va pas se le cacher. Mais en fait, cette ingénierie, elle pose, et on l'a réentendu aujourd'hui, elle pose plein de questions de recherche. Et en fait, sur ces questions de recherche, je pense que Cyril a apporté des réponses partielles, comme toute thèse, évidemment, et il a ouvert des questionnements. Et donc, ce n'est pas que de l'ingénierie. Voilà, pour nous, en tout cas, hein, qui sommes côté GL. Bien sûr, ce qu'on cherche à faire, c'est que la résolution des questions de recherche va nous apporter des solutions d'ingénierie. On est d'accord. Voilà. Mais on ne les a pas forcément toutes. Et c'est pour ça que, de temps en temps, Cyril dit ça, je ne sais pas. Voilà. Parce qu'effectivement, il a raison. On ne sait pas. Moi non plus, je ne sais pas. Je ne sais pas apporter des réponses à tout, quoi. Donc ça, c'était le premier point. Donc, ça, c'était sur l'aspect démarche. Après, donc moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans tout le début du manuscrit aussi, c'est le soin sur l'état de l'art. Et je pense qu'il n'était pas facile parce que en fait, cet état de l'art, il est large. À la fois, il faut que Cyril y comprenne le domaine dans lequel il évolue, tout ce qui est sur les aspects de plateforme de simulation, que moi-même, je connais mal. Donc, peut-être que certaines de mes interventions seront mal à propos, mais Cyril, tu auras le droit de me corriger. Voilà. Et puis après, il y a tout le domaine de la connaissance et de la compréhension de la problématique et
en génie logiciel. Voilà. Et ça touche à beaucoup, beaucoup de choses. Ça, on l'a vu, ça touche à, pour nous, des domaines qui sont des sous-domaines du génie logiciel, qui sont le domaine de l'ingénierie des modèles, dirigé par les modèles. Hein. Donc ça c'était clair. Le domaine de ce qu'on appelle, nous, le CBSE, hein, c'est-à-dire l'ingénierie orientée par les composants, qui a des tas de développement, en fait. Et actuellement, les problématiques qu'on se pose, c'est des problématiques qui ont l'air très, très proches de celles que vous avez à nouveau. C'est, étant donné un code que j'ai, qui est donné sous une certaine forme, que je peux abstraire avec... Alors, effectivement, que je peux abstraire avec des graphes qui correspondent à des graphes d'appel statiques. Ça peut être aussi des graphes d'appel dynamiques, suivant ce dont je peux disposer. C'est aussi les arbres de syntaxe abstraites ou plus ou moins abstraites, ou transformées en ASG ou en ce qu'on veut, quoi. Et c'est comment je vais utiliser toute cette information-là, plus d'autres informations. Actuellement, les collègues regardent aussi comment utiliser de l'information sémantique. Et donc là, je pense que Cyril, tu es complètement dans le vrai avec ça, pour essayer d'extraire du code des composants. Ça, c'est des grains qui sont souvent un peu gros, mais aussi des services web et aussi des microservices. Actuellement, on est là-dessus, donc on essaye de descendre sur des granularités de plus en plus fines pour augmenter la réutilisabilité. Voilà. Dans tout ce que je raconte, je pense que Cyril connaît, c'est ça. Et donc, les points de perspective, je ne sais pas si j'aurais le temps de poser des questions avec tout ça, mais ça ne fait rien. Les points de perspective que moi je vois, enfin, suite aux questions de Myriam, là, qui viennent juste d'avoir lieu, c'est notamment les questions qu'elle pose, Myriam, sur j'ai un composant, il me manque une entrée, ou bien il ne va pas fournir assez d'entrées pour le composant qui, au départ, devait le suivre dans mon ensemble de composants connectés. Ben, ça, c'est des problématiques qu'on se pose notamment dans la composition automatique par planification avec des vieilles méthodes d'IA de planification. Hein. Donc, la composition automatique de composition de services. Alors, de composition ou d'orchestration suivant les différents modèles en fait, de composition. Hein, mais, voilà. Et donc, ça, c'est des problématiques, bien sûr, que Cyril ne pouvait pas aborder là. Mais c'est comme disait Myriam, d'ailleurs, c'est des choses qui vont pouvoir venir maintenant grâce au travail qu'il a fait. En fait. Voilà. Parce que ça a été fait, on va pouvoir se poser des questions comme ça. Voilà. Et on a entendu aussi des questions qui sont, je dirais, un peu hors de la problématique du génie logiciel, mais que le génie logiciel doit considérer aussi. On a parlé beaucoup d'enrichissement sémantique, d'ontologie, d'alignement, donc d'ontologie, de liaison, hein, donc on fait beaucoup, il y avait beaucoup de problématiques de liaison, de mapping en fait entre des modèles sémantiques. Donc ça rejoint plus, je dirais, le domaine de la représentation des connaissances maintenant et de l'IA, hein, puisque ça en fait partie. Voilà. Et puis il y a un domaine auquel moi j'ai pensé, je ne sais pas, peut-être Cyril, si tu pourras réagir là-dessus avant que je passe à la suite. Il y a un autre domaine auquel j'ai pensé, c'est le domaine de l'ingénierie système. Et notamment, ils ont un langage de modélisation qui est 6ML, qui en fait est un dérivé du ML destiné à l'ingénierie système. Voilà, que peut-être tu connais ou vous connaissez, je crois que je participe au tutoiement, désolé, que peut-être tu connais. Et la problématique de l'ingénierie système, c'est une problématique qui, quelque part, n'est pas si éloignée de celle que vous avez en modélisation biologique, parce qu'effectivement, les systèmes vont avoir des aspects très descriptifs, avec de la description symbolique, hein, comme on fait en IA symbolique, mais il y a aussi des tas d'équations et des tas de modèles mécanistiques, enfin, tous ceux que tu as décrits dans ta thèse. Donc, peut-être que déjà, tu peux réagir là-dessus. Je ne sais pas si tu connais ce domaine et si tu as creusé un peu. Oui, effectivement, CML, c'est, je pense qu'on appelle profil UML. C'est un des multiples profils UML, effectivement, qui est dédié à l'ingénierie système. Et eux, bah, ils ne modélisent pas des processus biologiques, mais ils vont avoir l'équation de freinage de la voiture ou, voilà, ou de sortie des modules dans les avions. Enfin, c'est ça leur problème, quoi. Mais à la base, c'est beaucoup plus orienté objet. Pas que. Justement, puisqu'ils ont cette... C'est pas grave, du coup, ben, ça te laisse une ouverture, peut-être. Voilà. Donc, effectivement, il y a une approche objet dans la pensée, mais il y a vraiment aussi une approche de description de système qui n'est pas objet, qui est vraiment basée sur les composants du système. Voilà. Ben, écoute, c'est pas grave, ça fait une ouverture supplémentaire, ce qui montre, je crois, encore la richesse de tes travaux et la largeur, en fait, de tout ce à quoi ça touche, quoi.
Alors, je surveille la pendule au passage parce que j'ai 1000 questions, mais je ne vais pas toutes les poser. Moi, il y a des questions qui m'ont intéressé beaucoup à cause de ma vision objet, justement, sur laquelle je vais revenir. La vision objet, en fait, elle est, en génie logicielle, elle est très, très connectée à la vision représentation de connaissances, hein, avec de toute façon tout ce qui est graphe conceptuel, toute cette structuration-là, on a les mêmes idées en tête. Hein. Et d'ailleurs, on vient au départ, les conférences étaient même connexes, les conférences sur les objets. Il y avait, en France, il y avait autant de gens de la représentation des connaissances que de gens du génie logiciel au départ. Il faut se rappeler de ça. C'est très vieux. Et donc, en particulier, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce que tu racontes de tes perspectives sur la description structurée des entrées-sorties. Voilà, parce qu'effectivement, ça fait partie de la problématique de la comparaison entre les composants, comme ça a été rappelé par plusieurs questions tout à l'heure, et notamment les dernières questions de Myriam. Et tu évoques un peu, et j'aurais voulu que tu redéveloppes ça, la question de comment est-ce que je peux analyser ces entrées-sorties pour éventuellement faire une sorte de réingénierie dessus, faire dessus des modèles, en fait, de qu'est-ce que représentent ces entrées-sorties. Parce que oui, tu as des listes de nombres avec des unités, avec des tas de choses, mais ce n'est pas une liste, en fait. Ça va, il y a des choses qui vont ensemble. Il y a des blocs de structuration à différents niveaux. Et peut-être qu'une entrée décrivant la météo, je vais parler que de ça parce que le reste, je ne connais pas, une partie décrivant la météo, elle peut être très, très différente pour l'entrée d'un composant et pour l'entrée d'un autre composant, mais il y a peut-être des parties communes. Voilà. Donc peut-être tu peux redévelopper ces points-là que je trouve très, enfin qui moi me touchent particulièrement. Oui, effectivement, dans la description de composants crop2ml, nous avons à la fois la définition d'une fonction et également de l'algorithme. La fonction peut être utilisée également pour faire de l'agrégation de modèles, de variables, ou soit également l'adaptation du composant pour être intégré dans votre plateforme de simulation. Et ça, ce sont les deux approches, les deux grandes approches que moi j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour pouvoir intégrer les composants dans les modèles. Mais la question de savoir est si le composant déjà n'a pas cette entrée, alors qu'on veut l'intégrer dans une autre plateforme qui a besoin en fait de cette entrée. C'est bien ça. Ma question était plus sur... ça, c'était la question de Myriam, auquel on t'a, voilà. Et moi, ma question, elle portait plus sur si j'observe la description juste des entrées, par exemple, d'un composant et la description des entrées d'un autre composant, je vais trouver aussi des parties communes qui me font penser qu'il y a une espèce d'ontologie derrière du domaine, par exemple, de la description de ce que c'est que la météo. Voilà. Et comment est-ce que toi, tu décris tout ça? Et est-ce que tu as une sorte de modèle général ontologique de toutes les entrées-sorties, de tous les composants, de toutes les plateformes, tu vois, c'est très ambitieux, dans laquelle tu peux projeter après un composant individuel. Voilà. Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu saurais comment la faire, etc. J'avais pensé à un dictionnaire, en fait, de variables, puisque l'échange et la récréation se fait au sein de la plateforme de framework crop2ml. J'avais pensé à un dictionnaire de variables, puisque ce sont des plateformes qui ont déjà 30 ans, donc on connaît déjà les entrées, les sorties de ces différentes plateformes. On pourrait soit définir un type de dictionnaire ou un type de transformation déjà entre les différentes entrées avec les différentes plateformes, ou bien avoir une forme d'ontologie, mais cela suppose quand même que les plateformes également aient une forme d'ontologie. Voilà, donc ce qui n'est pas le cas actuellement. Oui, c'est ça. Il faudrait faire une forme de rétro-ingénierie, comme tu l'as fait d'ailleurs partiellement sur différents aspects déjà, pour aller vers cette construction-là. Voilà. Mais est-ce que ça serait utile? Ce serait utile, je pense, parce que ça va effectivement résoudre également la question de la composition sémantique également. Oui. Et aussi la question d'adaptation. Limiter, en fait, l'adaptation,
limiter la façon de pouvoir intégrer ce composant vers la plateforme en cible. Parce que là, on sait déjà à quoi s'attendre dans la plateforme cible. Quelle est la variable, quelles sont les variables qui sont déjà utilisées dans les plateformes cibles. Si on a déjà cette connaissance de l'ensemble des variables dans les plateformes cibles, le jeu de transformation pourrait faciliter cette adaptation. D'accord. OK. Bah, merci pour ça. Ça laisse ouvert des choses intéressantes à faire. Alors, je vais trier dans mes questions pour n'en poser qu'une autre. Non, d'abord, une remarque au passage, mais peut-être ça se transformera en question si tu sais quoi me dire dessus. Sur la partie, je dirais, ingénierie dirigée par les modèles, finalement, la définition de CML, même si c'est en langage, et d'ailleurs, tu le dis bien dans le document, même le code, c'est un modèle. C'est clair, voilà, souvent on essaye de faire une distinction, mais non, le code c'est un modèle, c'est pas la peine de se dire que c'est autre chose. Et donc en fait, d'une certaine manière, tu as introduit un nouveau méta-modèle de code avec CML, voilà, qui est quand même relativement orienté, il est assez orienté procédural, voilà, assez. C'est quand même l'impression que ça m'a donné, peut-être tu corrigeras, voilà. Et déjà, alors, peut-être deux questions autour de ça. La première, c'est est-ce que ça pourrait être intéressant de le comparer avec d'autres métamodèles de code, et je ne sais pas si tu as eu des références là-dessus, mais éventuellement c'est une discussion qu'on pourrait prolonger après. Je ne sais pas si tu connais Famix, qui est un métamodèle de code utilisé beaucoup dans le monde Smalltalk et puis Faro et tout ça. Et il y a un autre métamodèle de code qui s'appelle KDM, qui avait été proposé par l'OMG, qui essaye de décrire aussi en fait tout ça, et je me suis posé la question de pourquoi, puisque on voulait remonter au niveau de la modélisation, et pour éviter de tomber dans ce que quelqu'un fait remarquer, c'est-à-dire de se dire mon métamodèle il est écrit en Python, donc restons dans la notion de modélisation et donc dans en gros dans ce que propose l'OMG pour la modélisation, pourquoi ne pas utiliser KDM si tu le connais, enfin est-ce que c'est des choses que tu as envisagées? L'état des lieux que j'ai fait au niveau de l'approche ingénierie dirigée par les modèles m'a montré quand même qu'il existe plusieurs métamodèles. C'est déjà et beaucoup de langages de transformation. Ça devrait le paraître, et les outils sont beaucoup plus utilisés dans le monde industriel. Et au lieu d'apprendre encore les langages de transformation, parce que c'est beaucoup plus lié à le langage de transformation, j'étais un peu réticent sur l'utilisation de ces langages de transformation. D'accord. Et l'approche procédurale aussi, ça vient du fait que l'ensemble des plateformes ont une approche procédurale. D'accord, mais ça répond bien. Ça répond bien. Et du coup, c'est ça. Donc, peut-être que je te ferai passer une référence sur un survey sur tous les métamodèles qui sont des métamodèles pas de diagramme, classe, tout ça, mais vraiment des métamodèles de code. Hein. Donc, des métamodèles s'appliquant au langage de programmation. Peut-être que ça pourra t'ouvrir quelques... Voilà. Et Elias, peut-être du coup, ça sera peut-être plus une remarque, en fait, c'est que... Et je crois que tu viens de répondre à la question que je m'étais posée. C'est que je trouvais que le passage, par exemple, d'un composant écrit en procédural à un composant... déjà écrit en CML et puis après qui retourne vers du Java, mettons, on va dire. Il y a eu tout un pan de littérature en génie logiciel et des tas d'approches, dont certaines fonctionnent déjà d'ailleurs plutôt bien, pour passer de code procédural au code objet. C'est ça, assez vieux, hein, ça date des années 90, en fait, ces champs de recherche en génie logiciel. Et évidemment, on ne cherche pas à sortir qu'une classe, alors que dans l'exemple que j'ai lu dans le manuscrit, voilà, t'as un gros tas de trucs et tu le mets ensemble dans une classe, l'algorithme, ces données, et vas-y. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout ça qu'on faisait à l'époque. On cherchait vraiment à casser en tout petits morceaux pour avoir plusieurs classes et là encore pour augmenter la réutilisabilité. Et peut-être que ça pourrait faire partie des perspectives. Voilà, tu peux peut-être juste commenter ça. Et... Je ne sais pas si tu as compris l'idée. Hein, c'est que quand tu reviens vers Java, tu me fais une grosse classe, quoi. Au lieu de faire un petit ensemble de classes communiquant. Oui. Oui. Il y a à la fois, par exemple, Java, le langage Java, et la plateforme.
et j'essaye de rester fidèle à la structure du composant dans la plateforme. Et dans la plateforme, et les composants sont sous, héritent souvent d'une classe abstraite composant un certain nombre de méthodes qu'il faudrait générer. Donc, je reste fidèle au fait aux composants. D'accord. D'accord. Oui, oui, ça justifie pas mal. Ça laisse peut-être ouvert de faire d'autres choses, mais c'est une bonne réponse. Ouais. Voilà, je vais m'arrêter là pour mes questions parce que de toute façon, on peut rester en contact et communiquer. Et je vais maintenant passer la parole aux membres du jury qui étaient les encadrants. Donc, je vais commencer d'abord par Frédéric Garcia, qui se cache mais va revenir vers nous, voilà. Directeur de recherche INRAE et qui était co-directeur. Oui, voilà. Merci. Tout d'abord, merci Cyril pour cette belle présentation. Très clair, quoi. C'était bien. Je voudrais juste me présenter. Donc, je suis chercheur à l'INRAE à Toulouse en modélisation intelligence artificielle. Et mon background, il est sur ces modèles de culture. J'ai pas mal travaillé sur ces modèles de culture. De l'équipe d'encadrement, mon background, il était sans doute le plus, on dirait, mathématique et le moins informatique, même si voilà, je suis en IA et tout ça, mais voilà, j'avais plus ce feeling-là. Et ensuite, le point que je voulais souligner, c'est que j'ai été le co-directeur de thèse à distance à Toulouse, mais vraiment l'encadrement principal s'est fait avec Pierre et Christophe. Et voilà, il faut le dire, c'est important. Moi, j'aurais juste, je ne vais pas reprendre toutes les questions, j'ai apprécié les débats et les réponses de Cyril. J'aurais juste une petite question qui va revenir un peu, qu'on a déjà abordé un petit peu, et une petite question pour Cyril, qui revient sur la question de la sémantique. Et je voulais poser à Cyril la question de, pour un modélisateur comme moi qui a plus l'habitude d'écrire des équations et ensuite finalement de passer à du code, mais mon modèle, il est en termes d'équations. Voilà, équations mathématiques. Ça n'a pris pas beaucoup de place dans la thèse. Hein, est-ce que le noyau de modélisation que finalement sur lequel tu as convergé, le langage qui fait l'interface entre les différentes plateformes, etc. Est-ce que ces contraintes apportées par ce langage d'interface pour pouvoir faire des modèles et faire parler entre elles est-ce que tu as le sentiment qu'il limite ou pas l'expression des modèles que des modélisateurs voudraient pouvoir faire? Quelqu'un qui a une idée d'une équation en physiologie, il pense à ce process, il le voit comme ça, il va l'écrire sans doute au démarrage, à mon avis, avec des équations, peut-être des équations différentielles, qui ensuite, il sait qu'il faudra passer à du temps discret pour simuler, etc. Mais il peut avoir une autre idée d'équation, il y a tout un paquet d'équations possibles. Est-ce que tu penses qu'il y a des limitations possibles dans l'expression de ces process de base du fait du langage qui a été retenu à l'interface? D'accord. Et oui ou non, on verra. Et est-ce que tu penses que ça serait possible d'exprimer un petit peu le cadre que tu proposes pour faire la colle entre les différentes plateformes, etc., de l'exprimer non pas en Python ou en règles informatiques, mais de l'exprimer en termes un peu mathématiques en disant, avec mon langage, vous pouvez modéliser ça, mais vous ne pourrez peut-être pas modéliser ça. Voilà. J'imagine, tu vois, quelqu'un qui voudrait développer peut-être une future plateforme que vous n'avez pas encore intégrée ou quelque chose. Est-ce que ses collègues pourraient se dire, bon, mais si je rentre dans ce système-là, je sais qu'il y a des processus que je ne pourrais peut-être pas modéliser de la façon dont on aime les modéliser. Ou pas, hein, voilà, c'était ça ma question. Et merci encore pour tout ça. Alors moi, je parle de ce qui est pris en compte, qui n'est pas la limite du travail, mais qui est le périmètre d'étude de mon travail, qui est en fait de considérer déjà le formalisme qui est utilisé dans les plateformes existantes. Le formalisme d'équations aux différences finies et avec des structures de contrôle. Mais par contre, effectivement, après avoir vu certains papiers, on voit par exemple
dans les composants sol, il a utilisé les équations de Richard, des équations qui sont déjà prédéfinies, des systèmes, des équations différentielles qui sont prédéfinies. S'il y a une forme particulière d'équation différentielle, il est possible de pouvoir, après, définir un solveur, représenter l'équation différentielle et définir après un solveur. Le solveur peut être dans n'importe quel langage et pouvoir l'utiliser dans les plateformes. Cela peut être pris en compte, comme ce qui fait ça déjà dans le cadre des systèmes biologiques, où ils ont des formalismes clairs pour pouvoir décrire les équations réactions et c'est des formalismes clairs. N'importe qui utilise SBML sait très bien comment il peut écrire les équations réactions, voilà, la forme donnée. Sans avoir une forme appropriée, il serait un peu difficile de pouvoir décrire cela. Oui. Pour le moment, on n'a pas pris en compte les formes d'équations aux différences, des équations différentielles, mais cela est possible lorsque nous avons une forme générale, globale, des équations différentielles qu'on pourrait, à la longue, après, utiliser des solveurs pour résoudre. Et donc, ta réponse, c'est quelque part, si on reste dans le cadre des équations aux différences, il n'y a pas de limite. On peut coder à peu près avec le micro-langage, enfin, le langage de modélisation que vous retenez, a priori, en termes procédural, on peut tout modéliser si on reste dans cette équation-là. Oui. Bon, allez, je m'arrête là. Je comptais pas faire beaucoup de questions. Et voilà, je rends la parole à la présidente. Merci beaucoup. Ben, c'est toujours pareil, on a toujours plein de choses à se raconter. Et c'est ça qui est bien, ça montre que c'est une thèse, une bonne thèse. Et donc, je vais passer ensuite la parole à Christophe Pradal, qui doit être un petit peu dans l'amphi, on va le voir bientôt, chargé de recherche au CIRAD, qui était co-encadrant. Donc, Cyril, moi, je ne vais pas te poser de questions. Par contre, moi, ce que j'ai perçu, donc, merci pour cette présentation. Merci pour ces 3 années, parce que, en fait, comme vous l'avez pu tous le voir, Cyril, il n'est pas arrivé comme un jeune étudiant. Mais il avait déjà une expérience professionnelle, c'était déjà un très bon ingénieur. Il s'est retrouvé au milieu d'une fosse à Lyon, un petit peu, c'est-à-dire dans un contexte international avec des chercheurs qui avaient tous une grande notoriété et un caractère marqué avec à la fois une très bonne connaissance du domaine, mais aussi des avis très tranchés sur ce qui est possible et pas possible de faire en génie logiciel. Et donc, moi, j'ai été déjà très impressionné par à la fois ton humilité et ton audace. Humilité parce qu'il a fallu quand même écouter tout le monde et arriver à trouver un consensus. Parce que tout ce travail-là, c'est quand même l'obtention d'un consensus. L'objectif, c'était de faire bouger les lignes et ce n'était pas non plus de juste proposer un nouveau cadre, une nouvelle ontologie. Voilà, c'était arriver à avoir un résultat qui était à la fois bien posé pour pouvoir passer au niveau international, mais à la fois qui satisfasse chacune des plateformes pour ne pas créer du conflit, et aussi trouver une ouverture à un problème qui n'en avait jamais eu jusqu'à présent. Même si le problème était bien identifié, il n'y avait pas vraiment de solution. Et les solutions que tu as proposées de transpilation, personne n'y croyait au départ. Tout le monde disait, mais non, ce n'est pas possible, nous, on va faire les transformations à la main. Et le fait que tu amènes petit à petit ces éléments-là et que tu fasses bouger les lignes, avec des gens qui avaient déjà une vue très tranchée, donc quelque part contredire, c'était compliqué, eh bien, on a bien vu qu'au début, ils n'y croyaient pas, mais vu qu'ils avaient vu que tu avais fait un énorme travail, déjà, ils étaient impressionnés. Et puis après, ben, ils ont été convaincus. Et c'est ce changement-là où tu as investi, avec toute ta qualité d'ingénieur, pour faire bouger les lignes, mais aussi cette façon de jouer sur les transformations, parce qu'on voit bien que ces questions de transformation, elles sont très présentes, aussi bien dans la transformation sur les RSPM, dans les langages de transformation, dans les transpilations, dans les transformations de programmes avec des abstractions mathématiques. Et on pourrait voir aussi que ces transformations, elles vont être critiques pour arriver à faire des changements de représentation pour faire de l'adaptation dynamique du rétro-engineering, etc. Donc, on voit que quelque part, cette abstraction-là, les gens n'étaient pas du tout à l'aise avec ça. Et le fait de l'introduire, je pense que ça va changer la façon de concevoir les modèles et aussi de pouvoir les publier. Parce que derrière ça, même si tu ne proposes pas une nouvelle représentation mathématique de ces modèles-là, on voit bien que l'enjeu quand même est de pouvoir publier des modèles
indépendamment des plateformes. Et cette séparation-là, on sent que c'est un premier pas vers quelque chose qui peut avoir un vrai impact sur la communauté scientifique et pas seulement dans notre domaine. Donc, bravo pour toutes ces qualités et cette audience et aussi cette capacité à avoir investi le domaine de l'ingénierie logicielle, du génie logiciel, mais aussi d'être toujours préoccupé du domaine d'application. Et cette double compétence-là, elle a été très précieuse déjà pour parler entre nous avec tes encadrants, mais aussi pour parler avec d'autres démodélisateurs qui étaient aussi informaticiens et pour arriver à appliquer toute cette machinerie sur des vrais cas d'utilisation qui sont... Et c'est un travail impressionnant. Et puis, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Christophe. On ne se voit pas bien, mais je pense que tu as terminé. Du coup, je vais passer la parole donc à Pierre Martre, qui est directeur de recherche INRAE, qui était le directeur de la thèse. Merci. Alors, j'ai la difficulté ou l'honneur, comment on voit ça, de terminer. J'ai éventuellement une question. On va voir. Mais d'abord, je voudrais te remercier pour les 3 ans. Tu as fait un tour de force de faire une thèse en à peine 3 ans, parce qu'il a quand même commencé, je crois, tu es arrivé le 8 janvier. Donc, ça fait moins de 3 ans. Donc, c'est quand même fort. Depuis le début, tu savais que tu soutiendrais en décembre. Voilà, c'était planifié, il ne voulait pas dépasser et il a rentré. Avec une capacité de travail incroyable pendant ces 3 ans, avec beaucoup d'autonomie, tout en prenant toujours beaucoup de recul et en écoutant toujours les conseils précieux, notamment ceux de Christophe, qui a passé aussi beaucoup de temps sur les parties plus techniques. Et en étant vraiment force de proposition, je pense qu'il y avait un certain nombre de solutions que tu as mis en place, dont Christophe non plus, tu ne croyais pas trop une chance au dépôt départ. Tu te doutais un peu. Tu as donné un peu des éléments, des pistes de tiens, tu devrais regarder ça, mais bon. Et puis, quand même, c'est toi qui as trouvé même un peu la solution, au final, pour faire ces transformations. Vraiment, je trouve que tu as bien résumé la chose, Christophe, en disant qu'on t'avait jeté dans une fosse à Lyon. Il faut voir, je pense, Myriam aussi, tu as été à un moment donné dans cette fosse-là dans ta thèse, hein, au milieu d'un gros projet européen, qui avait un peu la même vocation, hein, au final. Et pour dire que ça fait 20, voire 30 ans que les gens ont cette idée-là de pouvoir exposer leurs modèles, de pouvoir les échanger, et ça a toujours été un échec. Donc, quand on a voulu les réunir au début, un tout petit peu avant ta thèse, les gens étaient quand même très, une certaine forme un peu hautain, ou du moins de dire, bon, on voulait faire ce qu'on a fait il y a 30 ans, mais on n'y est pas arrivé, vous n'êtes pas plus intelligent, vous n'y arriverez pas. Et en quelque sorte, mais en même temps, ils disaient, les choses ont changé, les technologies ont changé, l'ouverture a changé aussi, les gens sont plus ouverts pour un certain nombre de raisons. Et pourquoi pas? Donc, on a commencé à y réfléchir un petit peu plus et on voyait qu'il y avait un certain nombre de points techniques qui allaient nous bloquer, mais qu'en même temps, il y avait des choses qu'on pouvait vraiment échanger. On voyait vraiment l'apport d'échanger des modèles, non pas nécessairement aller jusqu'à l'implémentation, mais ce qui a changé beaucoup de choses dans l'ouverture des gens, ça a été le projet ADMIT, qui a été un gros projet international d'intercomparaison et d'amélioration des modèles. Là, les gens se sont quand même rendus compte qu'il n'y avait pas de meilleur modèle et qu'on pouvait tous les modèles pouvaient apprendre des uns des autres. Et que suivant les conditions, il y en était mieux que d'autres, etc. Il y en avait qui représentaient mieux certains processus dans certaines conditions. Et si on voulait vraiment améliorer nos capacités de prédiction et les qualités des modèles, il fallait vraiment les comparer à l'échelle des processus. Et là, il y avait un gros problème, c'était plus du tout transparent, ils étaient dans des plateformes énormes, au milieu d'un million de lignes de code, et il fallait pouvoir les extraire, même si elle a la modularité. Ce n'est pas évident, parce qu'il faut connaître toutes les plateformes. Et donc, ne serait-ce que de pouvoir exposer ces connaissances et les modèles, même si on ne le réimplémente pas, dans un langage unique, c'est quand même plus facile d'aller apprendre Crop2ML plutôt que d'apprendre 10 plateformes. Et ça, les gens ont vu un vrai, vrai intérêt. Il y a aussi le côté publication. Rapidement, les gens se sont dit que ça peut être une manière de montrer la reproductibilité de nos modèles et de pouvoir les publier. Et là-dedans, c'est vrai que tu as souvent été assez discret sur les échanges qu'on a eus. On a fait des réunions au moins tous les 6 mois, voire un peu plus des fois, avec le groupe.
mais avec un grand sens d'écoute. Et ça, les gens ont vraiment apprécié, parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup d'expérience et qui, voilà, qui ont un peu raconté leur plateforme, comment ça marchait, t'expliquer, etc. Et toi, tu revenais la fois d'après avec des solutions. Et ça, ça a été vraiment apprécié. Des solutions qui prenaient en compte ce qu'on t'avait dit la fois d'avant. Donc, un grand sens d'écoute. Et je pense que ça, c'est lié à ton vraiment ton haut niveau technique, tes fortes compétences et le fait que tu as vraiment une formation pluridisciplinaire. Hein, tu as quand même fait 3 masters en électronique, informatique, un autre en agronomie, télédétection. Donc, tu as un background disciplinaire qui est très, très large. Et je pense que voilà, je pense qu'on la thèse, on n'aurait peut-être pas pu la faire si elle reste avec quelqu'un d'autre. Donc, on est vraiment content, je pense, du choix. Ouais, que tu sois aussi d'accord pour continuer un petit peu quelques mois encore avec nous pour essayer de vraiment transformer la chose. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a un intérêt aussi des plus en plus fort des plateformes et des modélisateurs pour l'approche. On commence à être contactés et même des plateformes qui au début étaient un peu réticentes, ne voulaient pas y passer du temps. Maintenant, on voit qu'ils veulent bien dégager du temps dessus. Ouais. Je voudrais revenir juste. C'est aussi une forme de question, puis je vais m'arrêter parce que je crois que je suis un peu long. Sur un point qui est revenu souvent aujourd'hui, là, c'est sur le problème de sémantique et de comment on allait faire pour coupler des modèles, les intégrer dans des plateformes. Alors, il y a l'aspect vraiment modélisation, ce que tu décrivais, Myriam. Effectivement, si les modèles ne prévisent pas les mêmes stades de phénologie, on est de toute façon bloqué, il n'y a pas de solution informatique en tant que telle. Il faut là de l'expertise du domaine, de pouvoir créer ces phases, puisqu'on en a vraiment besoin, le modèle en a vraiment besoin, donc il faut arriver, et là je crois que souvent on peut y arriver quand même sur ce cas de phénologie, il y a beaucoup de cas où on peut y arriver, mais il faut de l'expertise, ça ne sera jamais automatique. Ce n'est pas un problème informatique, c'est un problème de modélisation et de compréhension du système qu'on modélise. Et il y a un autre problème qui est ensuite, effectivement, de pouvoir mapper, de pouvoir faire communiquer les modèles via leurs variables, les variables d'entrée et de sortie, et d'être sûr que les choses représentent bien la même chose. Alors, tu l'as bien dit, Cyril, hein, il y a des problèmes, c'est que c'est souvent pas conceptualisé dans les plateformes. Je n'ai même pas en tête une plateforme qui utilise vraiment une ontologie pour faire ça. Je n'ai même pas vraiment de plateforme en tête qui utilise vraiment un dictionnaire vraiment contrôlé pour faire ça. Ça serait possible au niveau des variables, probablement, au moins enfin, très largement. Le gros problème, il va être au niveau des paramètres, des équations, où là, par contre, c'est beaucoup plus flou, en fait. On a un certain nombre de paramètres de constantes qui ont une réalité, on va dire physique, biologique, mais certains... D'autres non, qui sont assez empiriques. Et là, comment on les représente, comment on peut les mettre dans une ontologie, là, j'ai vraiment des gros doutes. Et donc, on a eu aussi des discussions là-dessus. Hein, et clairement, ça a été une volonté dès le départ de ne pas rentrer là-dedans, de se dire c'est compliqué. Et c'est le genre de truc où on peut mettre 10 ans à se mettre d'accord sur une ontologie et sur des termes et pinailler, etc. Et donc, on va mettre ça de côté et on verra plus tard si effectivement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand on a soumis le deuxième papier, il y a un des deux co-auteurs qui a dit, ouais, mais il y a quand même un truc qu'on n'a pas mis dans la discussion, c'est quand même sur ces histoires d'ontologie, il faudrait quand même remettre un mot dans la discussion. Et ça, c'était, je crois, la règle de soumettre. Et d'un coup, ça rend plein de mails qui se sont échangés, chacun avec son point de vue là-dessus. Et là, on a bien vu à la fin qu'on avait bien fait de ne pas rentrer là-dedans, parce que chacun avait son point de vue qui n'était pas forcément le même. Voilà. J'avais un dernier point, je crois que je peux conclure. Non, je crois que c'est bon, parce que mon point, c'était ça, en fait. C'était sur les paramètres. Ils sont définis au niveau des modèles unitaires ou des modèles composites. Donc, du coup, ça veut dire que même à l'intérieur d'un composant, oui, il faut arriver à faire la connexion entre les paramètres. Oui. Ce qui n'est pas forcément une très grosse difficulté, parce qu'en général, c'est la même personne qui va définir tous les modèles uniques. Oui. Mais pas forcément. Pas forcément. Voilà. Et ensuite, à l'échelle des composants,
Comment est-ce que tu crois qu'on pourrait faire pour arriver à les lire? Comment sur les paramètres spécifiquement? C'est décrit explicitement la connexion entre les paramètres des différents modèles unitaires. Il y a des modèles unitaires, je suppose, hein, qu'il y a un modèle unitaire qui a un paramètre P1 et un autre modèle unitaire qui a le même paramètre P1. Et ce paramètre P1, forcément, l'ensemble des paramètres constitue les paramètres, au fait, du modèle composite. Donc, aux entrées, on a le paramètre qui est décrit et après, il y a la connexion de l'ensemble des modèles unitaires ayant les mêmes paramètres. C'est décrit explicitement cette connexion dans le modèle composite. C'est le problème des paramètres, c'est que autant les variables, on est obligé de les couper. On est obligé de couper des variables d'entrée et des variables de sortie, et là, il faut que ça marche, pour que toutes les entrées soient renseignées. Sur les paramètres, non, ils sont internes. Les paramètres, justement, ne sont jamais en sortie. Voilà, ils sont internes, ils sont cachés. Donc, que tu peux bâtir un modèle avec deux composants qui ont les mêmes paramètres. Qui ont des paramètres qui veulent dire exactement la même chose, mais qui n'ont pas forcément le même nom, et qui ne vont pas prendre la même valeur. Alors, ça fait deux paramètres différents. Ça fait deux paramètres différents, sauf qu'ils représentent exactement la même chose. D'accord ? Et donc, dans ce cas-là, tu vas arriver à faire des simulations, il n'y aura pas de souci, tu pourras faire tourner ton modèle. Sauf qu'il y aura une sorte d'incohérence interne, parce que tu auras un paramètre qui veut dire la même chose, qui représente la même grandeur, et qui aura pris deux noms et deux valeurs différentes. Justement, les paramètres ne sont pas vraiment externes. Les paramètres sont explicitement définis au niveau des inputs. Au niveau des inputs, nous avons à la fois variables catégoriques et paramètres catégoriques. Donc, ouais. On définit à la fois les paramètres comme les entrées. Après, ça dépend du modèle de la plateforme cible. Les plateformes cibles font la différence entre les paramètres et les entrées. Donc, avec l'attribut paramètre catégorie, on essaie d'extraire ce qui est à la fois un véritable paramètre et ce qui correspond vraiment à une entrée, à une variable. Mais par contre, dans le modèle composite, l'ensemble des paramètres sont explicitement définis au niveau des entrées. Après, la façon dont la plateforme considère le paramètre, on le prend en compte pour pouvoir générer le composant dans la plateforme. Donc, si on prend Bioma, si on prend la plateforme Bioma, qu'est-ce qui est défini? La plateforme Bioma, ça prend en compte les classes de domaine pour définir un ensemble, une classe composite au fait de paramètres. On définit, quand on prend les entrées, on prend les variables catégories, on essaie d'extraire quelles sont les différentes entrées qui sont les states, et ça c'est une classe de domaine. L'ensemble des variables qui sont des flux, c'est une classe de domaine. Par contre, lorsqu'on définit le modèle unitaire, effectivement, les paramètres sont internes au modèle unitaire. C'est pour ça qu'on parle de modèle, modèle stateless, où le modèle unitaire est juste fonction en fait, des paramètres. Le modèle unitaire n'est pas fonction des variables d'état ni des variables de flux. Et ces modèles unitaires, en fait, dans la méthode, l'algorithme, font appel maintenant au domaine classe pour pouvoir écrire en fait l'algorithme de composition. Donc ça dépend de la stratégie de chaque plateforme. Ça, c'est pris en compte pour pouvoir générer. Mais d'entrée dans Prop.ml, tous les paramètres sont décrits explicitement comme entrée du modèle. Mm-hmm. Merci. Bien. Et je voudrais juste terminer par remercier les encadrants aussi qui ont très largement participé. Ça a été un plaisir parce que c'était vraiment un vrai encadrement pluridisciplinaire. Souvent, on parle de pluridisciplinarité, mais là, je pense qu'on y était vraiment. Cyril a vraiment fait le pont entre des domaines. Et pour ça, ça a été un grand plaisir. Et tu as une capacité pour ça à expliquer à des gens qui connaissent rien d'informatique comme moi des concepts très compliqués, quand même, avec des mots simples. Et ça, c'était vraiment très impressionnant. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va se retirer dans notre salle Zoom pour procéder à la délibération. Donc je laisse la partie technique nous aider à procéder à ce retrait dans la salle de délibération. Merci.
Je peux y aller? Oui. Merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette soutenance. Donc, je vais tout d'abord restituer les impressions du jury. Donc, Cyril, donc, nous voulons vous remercier pour l'exposé que vous nous avez fait de vos travaux. Nous avons beaucoup apprécié cet exposé. Donc, nous avons apprécié dedans vos qualités pour restituer vos travaux de manière pédagogique. Nous avons trouvé en effet que l'exposé était très clair, très bien présenté, très bien construit, qui venait bien compléter le manuscrit et notamment en introduisant des exemples plus complexes, plus fouillés. Donc, ça nous a donné un éclairage vraiment complémentaire, très, très appréciable. Et ensuite, pendant les débats et la séance de questions, qui a été assez développée, donc vous avez répondu de manière précise, convaincante à nos questions. Donc, nous avons beaucoup apprécié tout ceci. Cela nous a démontré la maîtrise que vous avez de sujets qui étaient très variés, comme nous l'avons rappelé, dans un cadre à la fois pluridisciplinaire. Et également, donc, c'est un cadre dans lequel vous avez dû travailler donc, et collaborer avec des collègues au niveau international et puis donc, entre ces différentes disciplines. Donc, c'était assez complexe, nous pensons, et nous avons apprécié l'investissement que vous avez montré. Vous nous avez montré aussi la forte maîtrise que vous aviez de votre travail, plus particulièrement, hein, non seulement du cadre général, mais du travail en lui-même. Et vous avez su positionner clairement ce travail et en cerner les limites, ce qui est vraiment une qualité très, très importante pour un chercheur, puisque ça permet après de rebondir et de construire des perspectives vraiment intéressantes et pertinentes. Ce projet dans lequel vous avez évolué, c'était un projet qui était, comme je l'ai dit, d'envergure, avec des enjeux très importants pour votre communauté. Donc, c'était votre positionnement et cette thèse vont vraiment jouer un rôle clé pour la communauté dans laquelle vous avez évolué. Et le jury a été également impressionné par la profondeur du travail que vous avez réalisé, à la fois sur le plan conceptuel et en termes de développement logiciel. Ça a été mentionné par plusieurs membres du jury. Voilà, donc en conséquence de tout ça, nous tenons vraiment à vous féliciter pour la qualité de vos travaux et à l'unanimité, nous proposons que vous soit décerné le doctorat en agronomie de l'Institut Agro. Et nous pouvons vous applaudir. Merci beaucoup. Et la parole vous revient. Ben, je remercie l'entrée des encadrants. Directeur de thèse, au co-directeur ainsi que au encadrant. Je remercie également les rapporteurs qui ont produit quand même un rapport vraiment très intéressant qui m'ont fait rappeler aussi certaines méthodes et certaines choses qu'on pourrait aborder également. Je remercie l'ensemble des membres du jury pour l'appréciation de mon travail. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, cela conclut la soutenance. Donc, je laisse peut-être les personnels techniques clôturer techniquement.